Chers collègues, bonjour. Je vous propose de démarrer les travaux de notre commission. J'invite les collègues qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire de badger. Je les invite à badger. Parfait. Merci. Alors, nous démarrons par l'organisation des travaux. Y a-t-il des remarques ou des demandes concernant... Oui, Monsieur Dekken. Oui, merci, Madame la Présidente. Comme nous en avions convenu lors de la précédente réunion de cette commission et sa première réunion sur votre présidence, il avait été convenu de faire un petit peu le point sur les perspectives de calendrier en ce qui concerne le travail que nous pourrions mener sur l'établissement d'un règlement spécifique aux règles budgétaires et comptables s'appliquant au Parlement de Wallonie. C'est un sujet qui tient au cœur de mon groupe, les engagés, en ce qui concerne, je dirais, le cadrage du budget. On va en parler dans quelques instants quand on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que les délais sont serrés et qu'il est peu probable qu'on aboutisse à un texte voté avant le 1er janvier de l'année prochaine, mais ça ne doit pas, je pense, nous inciter à ralentir le mouvement. J'avais suggéré qu'on puisse travailler au départ du règlement spécifique de la COAP, qui est également un organe collatéral et pour lequel nous avons adopté en avril 2021 un règlement spécifique pour ces règles budgétaires et comptables, avec un effet évidemment important puisque l'élément nouveau serait le fait qu'il y a l'application du principe de spécialité budgétaire, autrement dit que le budget du Parlement et ses subdivisions deviennent contraignantes dans l'usage des dépenses wallonnes, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisque c'est un budget, je dirais, de type informatif et non limitatif. Voilà, je voulais savoir si du côté du greffe, on avait pu un peu établir une première idée d'un calendrier ou d'une perspective de travail qui on devrait consulter. Il y avait à un moment donné une suggestion de consulter une série de personnes ou de faire un appel au groupe pour concernant les personnes qu'on devrait consulter. Enfin voilà, moi j'aimerais bien un petit peu qu'on puisse se dire quel est l'échéancier dans lequel on va travailler, quelle est la méthode, qui doit prendre l'initiative dans ce dossier, qu'au moins on puisse clarifier cet aspect-là des choses. Très bien, oui, Monsieur Mugemangango. Merci Madame la Présidente. Deux demandes. En fait, la première, c'est concernant la fameuse délégation donc, qui existe toujours évidemment à l'égard de Madame la greffière maintenant et qui existait à l'égard de Monsieur Janssen précédemment. Et donc, j'aimerais que la Commission puisse se pencher sur cette question de délégation, donc pas aujourd'hui, mais qu'on puisse à un moment donné avoir l'explication de cette délégation, son historique, voir comment ça a été construit, l'objectif effectivement concret. Et aussi, finalement, il y a une décision de restreindre cette délégation qui a été prise par le bureau au mois d'octobre, mais qui fait que la délégation reste quand même la plus importante de tous les parlements de ce pays. Donc ça reste quand même un débat important à avoir. Et donc je propose effectivement qu'on mette ça à l'ordre du jour de la commission lors d'une prochaine réunion. Et alors, une seconde demande, c'est que, donc, on l'avait déjà évoqué la fois dernière, donc un audit a été demandé par le président du Parlement sur les deux chantiers, mais je pense que la Commission devrait demander un audit sur l'ensemble des dépenses qui ont été encourues entre 2009 et 2022 au niveau du Parlement, donc le mandat de M. Janssen, puisque voilà, on voit que des dépenses importantes ont été faites, notamment, on l'avait évoqué, en matière de restaurant, 15 000 euros par an pour aller au restaurant, donc on doit pouvoir, à un moment donné, concrétiser effectivement l'analyse de ces dépenses. Et donc c'est aussi une demande que je propose que la Commission fasse pour éclaircir les dépenses qui ont eu lieu pendant cette période. Alors, je propose déjà de nous positionner concernant la question des règles budgétaires et comptables, puisque nous avions convenu d'avoir cette discussion ensemble ce matin. Je voudrais aussi rappeler quand même l'article 5 du règlement. Dès lors qu'il est question de personnes, nous devons passer à huis clos. Donc soyons très très attentifs dans les prises de parole et dans les demandes, parce que nous devrons évidemment souscrire à ce point du règlement de notre commission, évidemment. Peut-être la question des règles budgétaires et comptables. Monsieur le Président. Madame la Présidente, c'est évidemment quelque chose d'important, mais je rappelle que les travaux par le personnel du greffe sont extrêmement importants en cette période et nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous pencher sur le dossier, mais nous allons le faire, je dirais, dès que les travaux budgétaires seront terminés, que le personnel aura un peu de latitude
nous le ferons. Et nous le ferons avec célérité. Oui, Monsieur Deken. Est-ce qu'on pourrait peut-être convenir qu'il y ait un document de travail qui puisse être produit dans le courant du mois de janvier par les services et qu'on puisse peut-être avoir une réunion informelle pour pouvoir échanger à bâton rompu sur une première réflexion dans le courant pour que ça ne soit pas on ne doive pas convoquer une commission pour discuter. Je pense qu'on peut mettre en place un groupe de travail informel en parallèle, mais qui puisse avancer. Le souhait de mon groupe, c'est que le travail puisse être entamé et qu'on puisse y participer et qu'il y ait par exemple un représentant par groupe et un technicien qui puisse former ce groupe de travail et qu'on puisse montrer que le chantier est pris en main et que l'ensemble des groupes politiques puissent y participer. Monsieur Frédéric. Mais très brièvement, sur les règles budgétaires, la volonté de tous les groupes d'avancer. Le président vient d'indiquer qu'effectivement, le greffe était, M. Deken s'en est peut-être pas rendu compte, un peu sous pression, et qu'on ne peut pas lui demander d'être sur tous les fronts en même temps. Et dès lors, je peux retenir l'idée de travailler à partir de janvier, mais que les groupes travaillent. Je veux dire, il y a des tas de brillants collaborateurs et parlementaires sur le sujet qui déposent et puis on essaiera d'atterrir sur un texte. Mais pas donner l'impression non plus qu'aujourd'hui, il n'y a aucune règle. À un moment donné, il faut être sérieux. Voilà, je ne veux que ça à dire. Oui, Monsieur Belot. Il serait peut-être intéressant aussi de collecter une documentation sur la manière dont ça se passe dans les autres assemblées. Moi, je fais partie du bureau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Où il y a des règles, voilà. Ce serait peut-être intéressant de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Mais c'est simplement un courrier adressé en demandant les règles, point, puis on verra plus tard. On examinera quand les services du greffe auront un peu plus de latitude. Monsieur Azé. Oui, bonjour à chacun et chacune, Madame la Présidente. Je partage en fait les différents éléments que tu exprimes à ce sujet. C'est une préoccupation de tous les groupes, puisque nous l'avons ensemble mentionné dans le règlement que nous avons adopté il y a 15 jours. Donc effectivement, il y a un travail à faire pour définir les règles budgétaires et comptables applicables. Le rendez-vous en janvier me paraît tout à fait approprié, tenant compte de la charge du travail sur les services. 3. La collecte d'informations sur les règles applicables des autres assemblées est également un élément intéressant. Et 4, OK aussi pour le groupe de travail informel dans le délai prévu. Alors, je prends bonne note des différents éléments et de l'idée de partir du règlement spécifique de la COAP, d'avoir cette interrogation auprès des autres assemblées au niveau des différents modes par rapport au règlement, aux règles budgétaires et comptables pour ces assemblées et de pouvoir se retrouver dans le cadre d'un groupe de travail informel en janvier. Si ça peut convenir à chacune et à chacun. Nous avançons comme cela. Très bien. Et pour ce qui concerne les demandes par rapport aux délégations de pouvoir audites sur les dépenses, je propose alors de pouvoir avoir une discussion sur l'organisation des travaux sur ces points-là lors de la prochaine réunion de notre commission. Puisque ça a été proposé ce matin, j'aimerais pouvoir m'y pencher à tête reposée. Merci. Monsieur Mugemangago. Oui, pas de problème en soi avec le fait que vous preniez le temps de vous pencher sur ces deux éléments qui sont importants. Je crois que tout le monde aura à cœur évidemment de clarifier ces deux éléments le plus vite possible. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose, chers collègues, de passer au projet de budget de fonctionnement de notre Parlement pour l'année 2023. Nous devons d'abord désigner un ou une rapporteur. Y a-t-il une proposition ? Oui, Monsieur Belot. Je propose Monsieur Zanetatos. Nous allons donc voter. Oui, Monsieur Azé. Je suppléerai provisoirement Monsieur Bierin, qui est membre effectif de la commission, Madame la Présidente.
mais dès lors, le poste de vote, assez logiquement, ne s'active pas. Je voulais donc le signaler pour marquer mon approbation. Ah, pardon, je pensais qu'il fonctionnait pour moi. Je propose de voter à main levée, ce sera plus simple et plus rapide. Qui est pour la désignation de M. Tzanetatos? Je pense que c'est à l'unanimité. Très bien, 10 pour. Nous pouvons alors passer à un exposé de ce projet de budget. Je vais tout de suite céder la parole à M. Marcourt. Madame la Présidente, c'est un grand plaisir d'être devant vous ce matin. Si vous m'y autorisez, je vais donner la parole à Madame la greffière. Je voudrais simplement indiquer, parce que encore ce matin, j'entendais qu'il n'y avait pas de contrôle des dépenses du Parlement. Depuis que le Parlement existe, il y a une commission des affaires générales qui contrôle les budgets du Parlement et les dépenses du Parlement. Donc, ceci est une amélioration significative puisque c'est une commission spécifique. Et j'espère que nous pourrons utilement travailler ensemble. Et si vous m'y autorisez, je donne la parole à Madame Salmon, greffière du Parlement. Je vous en prie, Madame Salmon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, le projet de budget de fonctionnement du Parlement pour l'année 2023 a été adopté par le Bureau le 22 novembre. Le montant des dépenses est de 80 280 511 euros, qui se répartit selon la base suivante, 71 968 400 euros de dépenses courantes, 8 312 111 euros de dépenses de capital. Ce projet de budget est impacté par une réduction de 4 millions d'euros du montant indexé de la dotation allouée au Parlement par le gouvernement dans un contexte de maîtrise des dépenses et de crise énergétique. Concrètement, le Parlement recevra donc 591 000 euros de plus qu'en 2022. Si la réduction n'avait pas été décidée par le gouvernement, c'est 4 591 000 euros de plus par rapport à 2022 que le Parlement aurait reçu. Des efforts ont donc été réalisés, tout en sachant que ce projet de budget reste fortement impacté par la finalisation de la construction de la nouvelle maison des parlementaires et surtout par son aménagement, tant en termes de mobilier que d'équipement audiovisuel. Il reste notamment à prendre en charge sur 2023 l'équipement audiovisuel pour un montant de 2 945 000 euros et le mobilier 1 400 000 euros. Une provision pour les factures de travaux non prises en charge sur l'année 2022 est également prévue pour un montant de 500 000 euros. C'est moindre qu'en 2022, où on était à près de 20 millions budgétés pour la Maison des parlementaires. En raison de la finalisation du projet de la Maison des parlementaires, les dépenses en capital restent donc importantes, même si le montant est plus faible qu'en 2022. Pour ce qui concerne les dépenses courantes, elles sont en augmentation, notamment pour les motifs suivants. L'impact des indexations annoncées en février, avril et septembre 2023 sur les rémunérations, les éléments en lien avec la rémunération, le financement de la vie politique et les dépenses que je qualifierais d'incompressibles et donc impactées par l'index, qui s'ajoutent à celui des indexations intervenues en 2022, pour rappel, 5 indexations. Cet impact se chiffre à près de 4 millions d'euros de plus par rapport au montant inscrit en 2022, qui ne tenait pas compte de toutes les indexations in fine intervenues. Les dépenses de personnel impactent aussi les dépenses courantes, qui restent en progression en raison des recrutements à concrétiser en 2023, afin que les services du greffe soient renforcés pour assurer les missions qui leur sont confiées. Les crédits en rapport avec la possible organisation d'une consultation populaire ou de commissions délibératives sont également inscrits. Il a enfin été tenu compte dans le budget, d'une part, des coûts engendrés par la maintenance de la nouvelle maison des parlementaires, notamment en termes d'entretien, mais aussi des économies liées à sa mise en service, tant en termes de location de bâtiments temporaires que de performances énergétiques et qui peuvent en partie compenser les coûts. Le budget a donc été établi en envisageant des économies là où elles étaient possibles, en évaluant les dépenses et les recettes sur la base de l'exercice 2022 et en tenant compte des engagements à tenir. Il s'agit donc d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'année 2023. C'est donc, et je souhaite le préciser,
un acte qui peut être qualifié d'a priori et qui permet de donner au Parlement les moyens de fonctionner en 2023, ce qui le distingue des comptes, à savoir ce qui aura in fine été utilisé pour fonctionner et qui est un acte a posteriori. Le budget fera l'objet, au regard des règles fixées dans l'article 169 du règlement de l'Assemblée et comme précédemment, d'un suivi permanent afin de vérifier que la réalité des engagements de l'année est conforme à la prévision initiale. Je me permets de formuler, avant de conclure, une remarque pratique qui pourrait peut-être répondre à certaines questions. Une dépense peut avoir été prévue au budget 2022, mais ne pas avoir été réalisée pour des raisons diverses. Elle peut donc être réinscrite au budget 2023. Les montants ne doivent cependant pas être additionnés. En conclusion, la dotation du Parlement, après être revenue depuis quelques années à un niveau qui permettait d'assurer l'autonomie du Parlement, connaît une réduction qui, si elle devait se répéter, pourrait fragiliser à terme les réserves indispensables dans la perspective des futurs renouvellements du Parlement, dont le plus prochain interviendra en 2024. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Madame la Greffière. Nous pouvons démarrer la discussion générale. Qui souhaite intervenir ? Monsieur Hardy ? Monsieur Mugemangango ? Attendez, je prends note. Très bien. Monsieur Hardy, vous commencez. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président, merci Madame la Greffière pour cette présentation et merci au service pour l'élaboration de ce budget que nous examinons aujourd'hui. Et tout d'abord, avec mon groupe, nous nous réjouissons de nous retrouver au sein de cette commission de la comptabilité qui, en plus des organes qui, comme le Président l'a précisé précédemment, existent déjà, nous permettra, j'en suis certain, de renforcer les mécanismes de contrôle par rapport au budget de fonctionnement de notre Parlement et de rétablir une certaine forme de confiance et de surtout permettre d'analyser en profondeur nos comptes et nos budgets. J'interviendrai donc dans le cadre de cette discussion générale sur les grands points d'analyse du budget. J'imagine qu'on examinera peut-être plus précisément les éléments du budget ultérieurement. Mais pour nous, socialistes, le cœur du cœur et le cœur de nos préoccupations, ce sont les travailleurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, les femmes et les hommes qui contribuent à faire en sorte que nous réussissions nos missions de parlementaires, ont été ébranlés dans leur quotidien. Et la première question que j'adresserai, c'est de voir un peu comment, dans ce budget, s'il existe de nouveaux mécanismes ou de nouveaux outils qui sont envisagés pour soutenir le personnel au quotidien, si de nouveaux moyens sont dégagés pour soutenir le personnel au quotidien. Par ailleurs, est-ce qu'on considère que, vu que nous octroyons de nouvelles missions, notamment au sein de cette commission de comptabilité au Parlement, est-ce que la masse de personnel est suffisante ou non dans le cadre de ces nouvelles missions, notamment au sein de cette commission des comptabilités ? Une grande analyse qu'on fait de ce budget, c'est que tout de même, si on regarde les grandes masses, le budget, la dotation du gouvernement wallon a diminué de 4 millions d'euros. Dans un contexte d'inflation généralisée, c'est non négligeable. Monsieur le Président, je pense que nous partageons tous la volonté que les travailleurs et les travailleuses qui nous permettent d'exercer nos missions soient les mieux protégés possible. Ça a été évoqué à plusieurs reprises en séance plénière et encore ce matin, il y a une analyse juridique qui est en cours, à la fois pour étudier la possibilité de permettre aux travailleurs de se syndiquer, mais aussi de permettre aux lanceurs d'alerte d'être mieux protégés. Je voulais savoir, Monsieur le Président, si vous pouviez faire un état des lieux de l'avancement de cette étude. Depuis 42 ans, notre Parlement
évolue avec des modes de contrôle qui parfois se sont révélés insuffisants. Si on prend par exemple la décision qui fait que depuis mai 2018, eh bien, la délégation du suivi des dépenses par rapport aux deux grands chantiers qui ont fait la une de l'actualité eh bien, sont aux mains d'une seule personne, montre peut-être les lacunes du passé. Je voulais savoir aussi, Monsieur le Président, si on compare par exemple au fonctionnement d'une commune dans laquelle eh bien, il y a un directeur général et il y a à côté de lui un directeur financier qui valide toutes les décisions qui impactent le budget ou les comptes d'une commune. Je voulais savoir, Monsieur le Président et Madame la Greffière, si ce type de structure, à un moment donné, ne pourrait pas, ou ce type de contrôle complémentaire, ou en tout cas de travail commun entre un directeur financier et un directeur général, ne pourrait pas être étudié dans le cadre du fonctionnement de notre Parlement. Pour le reste, j'imagine que le débat prendra part sur les points spécifiques du budget, mais c'était les considérations générales pour mon groupe. Merci. Merci, Monsieur Hardy. Juste un petit rappel par rapport au contour de notre travail de ce matin. Nous examinons le budget de fonctionnement du Parlement pour l'année 2023. Dès lors, il peut y avoir toute une série de questions qui peuvent être posées par les parlementaires, je le comprends très bien, mais les réponses qui interviendront concerneront vraiment cet aspect-là pour que nous puissions avancer. Monsieur Mugemangango. Je vous remercie, Madame la Présidente. Effectivement, l'intervention de M. Hardy, et moi, je ne vais pas lui en faire le reproche, élargit le propos. Donc, j'avais effectivement posé la question de la délégation. Et là où c'est directement lié au budget, évidemment, c'est que si on permet une large délégation, et c'est ce qui s'est passé dans le passé, ça va avoir des effets sur le budget et sur les dépenses. Donc, ça, c'est clair. Mais vous avez indiqué que prochainement, à une date qu'il faudra encore définir, on aura l'occasion de parler de ça, et notamment de répondre à la question de savoir pourquoi la délégation reste tellement importante. Mais bon, ça reste effectivement un élément essentiel. Je partage évidemment la réflexion de M. Hardy, et peut-être que le président répondra quand même sur comment les travailleurs vont être traités dans ce Parlement, puisque ça, c'est quand même un élément qui est essentiel. Actuellement, ce n'est ni réglé au niveau de leur possibilité d'avoir un syndicat, ni réglé au niveau d'être reconnu comme lanceur d'alerte et donc d'être protégé d'éventuelles représailles. Mais voilà, donc c'est évidemment un choix de la Commission et de sa présidence d'en parler aujourd'hui ou pas. Alors, par rapport aux méthodes de contrôle, oui, donc M. le Président a rappelé qu'il y avait effectivement une méthode de contrôle. Donc, il a rappelé la possibilité de discuter en commission affaires générales des dépenses du Parlement et du budget du Parlement. Mais voilà, évidemment, le grand pas en avant, finalement, qui a été fait dans le cadre de cette commission, c'est que cette discussion, elle est maintenant publique. Donc, avant, ce n'était pas le cas. Et donc, je pense que c'est vraiment un pas en avant important qu'il faut souligner. Sur le budget même, donc ma première considération, ma première question, c'était de savoir finalement comment les montants sont déterminés. Donc j'ai bien compris effectivement qu'on n'est pas en train de discuter des comptes, donc on n'est pas en train de discuter de ce qui a effectivement été dépensé. Mais donc dans ce sens-là, il faut pouvoir à un moment donné construire ces montants. Donc je prends un exemple, quand on parle par exemple du matériel vidéo qui sera dans la maison des parlementaires. Donc c'est un montant près de 3 millions d'euros, donc c'est un montant extrêmement important. Comment ce montant il est défini? Est-ce qu'on demande des devis? Est-ce qu'on demande des conseils, etc.? Et donc, parce que nous, on aurait éventuellement voulu avoir plus de détails justement sur la manière dont ces montants ont été définis. Et je pense d'ailleurs, et j'en fais pas du tout le reproche évidemment au service du greffe que je remercie pour les documents qu'on nous a livrés, mais je pense qu'à l'avenir peut-être sera intéressant pour certains montants de déjà livrer en fait le détail de ces montants. Puisque en fait quand on lit les montants qui sont liés notamment aux aménagements, il y a des montants importants, donc j'ai cité celui des aménagements d'équipements audiovisuels de près de 3 millions. Il y a construction, la nouvelle maison des parlementaires, 500 000 euros. Donc il y a des montants importants sans qu'il y ait de ventilation, donc sans qu'on en ait le détail. Et donc ça, c'est ma première question, c'est comment peut-on faire effectivement pour avoir le détail. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur quels sont les éléments sur lesquels je voudrais effectivement avoir des détails. Mais est-ce qu'on n'aurait pas avantage à avoir directement finalement la possibilité, dans les documents qui vont être analysés par cette commission, d'avoir les détails qui ont construit effectivement ces montants? Alors un autre élément qui m'interpelle, c'est que pour certains postes, on retrouve d'année en année des montants pour des postes qui étaient déjà finalement budgétés ou même qui se retrouvent dans les comptes. Je prends un seul exemple. Donc on parle par exemple de l'aménagement des gardes-corps, donc
Bon, avant, je ne savais pas c'était quoi des garde-corps. J'ai été regardé, c'est des barrières. Donc, et donc là, on voit un montant. Mais j'appelle pas ça des garde-corps, moi. J'appelle ça, oui, j'ai même deux enfants. Et on a mis des barrières. Mais bon, voilà, garde-corps, c'est ça, apparemment. Et ici, c'est un... Bah, justement, on se méfie. Donc 91 000 euros de garde-corps, mais ces montants se répètent d'année en année. Et donc, du coup, bah, ça m'interroge. Est-ce que ce sont des montants qui s'additionnent? C'est des montants qui n'ont pas été dépensés, qu'on remet dans les documents. Donc, ça, c'est pas clair. Et donc, de cette manière-là, par exemple, il y a aussi le hangar. Donc, il y a un hangar, je reprends ici, l'aménagement d'un hangar pour stocker les barrières de la zone neutre du bâtiment Saint-Gilles, 102 000 euros. Et là, en fait, on voit d'année en année ce montant qui augmente et qui, entre le montant de base et le montant total, si tous ces chiffres s'additionnent, on est à 14 fois le montant de base. Donc voilà, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne à ce niveau-là pour savoir exactement de quoi on parle. Alors ça, c'était remarque générale par rapport à la manière dont les montants sont budgétés. Donc après, il y a évidemment tout le volet, et qui est à mon avis un volet important, qui est le volet des rémunérations. Donc on retrouve effectivement les rémunérations des parlementaires dans ce budget. Donc les rémunérations sont importantes, hein, donc c'est 7 000 euros par mois, et donc qu'on additionne évidemment pour avoir le budget global. Deux considérations par rapport à ça. D'abord, ça reste des montants extrêmement importants. Donc vous savez que mon groupe est favorable à la diminution sérieuse de ces montants, donc on est pour la division par deux de ces montants. Bon, c'est vraiment un élément pas tellement budgétaire, mais d'abord démocratique. Le fait que finalement on a des parlementaires qui vivent à un autre niveau de vie que l'ensemble des citoyens. Donc, évidemment, la crise qu'on vit maintenant, que ce soit la crise énergétique, la crise du pouvoir d'achat, elle est ressentie autrement par les parlementaires, évidemment, que par le citoyen moyen. Et donc c'est pour ça que, pour des raisons démocratiques, on estime que ce montant devrait être divisé par deux. On a déjà eu l'occasion de discuter de ça. Je sais que l'ensemble des groupes ici présents ne sont pas pour cette modification-là. Mais ce qui m'étonne par contre, c'est que je vois que dans d'autres parlements, il y a une réflexion sur la limitation de certains de ces montants. Donc limitation au niveau des montants pour les parlementaires, limitation aussi en termes de dotation aux partis politiques qui sont proposés. Donc il y a un an ou deux ans, au Parlement flamand, il y a eu une discussion là-dessus. Et il y a même encore quelques mois, ils ont encore discuté de ça pour réduire effectivement certains montants. Réduction de 11% de la dotation, réduction de 5% des salaires des parlementaires. Et je pense que, là, c'est une question évidemment qui n'est pas technique, qui est plutôt politique, qui est de dire qu'effectivement, on devrait aussi, au niveau du Parlement wallon, réfléchir à ce type de mesures, pour effectivement, à un moment donné, prendre des mesures par rapport à ces montants-là. Et donc, voilà ma question aux autres groupes politiques, c'est pourquoi ne pas adopter la même attitude que d'autres parlements, notamment que le Parlement flamand à cet égard, et notamment d'ailleurs que vos ministres qui ont proposé aussi finalement une réduction de leur salaire. Donc, réduction qui parfois, on doit comparer à l'index, mais ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, il y a une mesure qui a été prise, donc pourquoi pas prendre le même type de mesure ici. Et alors, une question qui nous paraît importante aussi, la caisse de retraite des parlementaires. Ça, j'aimerais qu'on m'explique comment ça fonctionne, cette caisse de retraite. Donc je constate, pour moi, une caisse de retraite, mais je suis beaucoup moins spécialiste que d'autres, est alimentée évidemment pour les cotisations de retraite. Et donc, en principe, ça devrait être un financement qui est neutre. Donc il y a un montant qui rentre, et puis le montant sort au moment, de payer les retraites. Mais quand on regarde les rapports qu'on peut retrouver, d'ailleurs, que ce soit à la BNB ou sur Internet, les rapports de cette caisse de retraite, on voit qu'il y a eu des dépenses de capital très importantes. Finalement, que pendant plusieurs années, les montants de capitaux ont apporté finalement même un solde négatif à la caisse de retraite. Donc pourquoi? Pourquoi il y a de tels mouvements financiers? Je remarque aussi que les rapports 2020 et 2021, je ne les ai pas trouvés. Donc est-ce qu'ils existent ou pas? Ça, c'est une question que je pose. La composition du conseil d'administration aussi m'interroge. Donc on retrouve effectivement les membres du bureau dans le CA de cette caisse de retraite, mais on retrouve aussi, sans dire de nom, puisque on retrouve aussi l'ancien greffier dans ce conseil d'administration. Donc j'imagine que ça a changé, donc c'est aussi une question que je pose. Mais sur la gestion même de cette caisse de retraite, j'aimerais avoir plus d'éclaircissements, parce qu'avec les documents qu'on a maintenant, je ne comprends pas, et il y a une dotation importante quand même qui est délivrée pour cette caisse de retraite. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces considérations générales. Après, on viendra avec des questions évidemment plus particulières. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. Monsieur Deken, qui sera suivi de monsieur Bastin. Pour les questions particulières. Merci, monsieur le président. Merci à madame la greffière. Merci au service pour l'élaboration de ce projet de budget sous l'autorité du bureau. Quelques questions macro par rapport aux éléments pour bien comprendre la logique des choses. Donc, dans le document du projet budgétaire, page 6, il est indiqué ceci, ce qui correspond à peu près aux propos de madame la greffière. Le projet de budget 2023 est tout d'abord impacté par une réduction de 4 millions d'euros du montant indexé de la dotation allouée au Parlement par le gouvernement dans un contexte de maîtrise des dépenses et de crise énergétique. Et puis un peu plus loin, on dit ceci, une forme d'avertissement. En conclusion, la dotation du Parlement connaît une réduction qui pourrait fragiliser le fonds de réserve indispensable dans la perspective du renouvellement intégral du Parlement qui interviendra en 2024, ainsi que la capitalisation de la caisse de retraite. Donc ça, ce sont des éléments. Moi, j'aimerais comprendre qui a décidé de la réduction de 4 millions d'euros de la dotation. Je ne conteste pas le fait qu'il faut que le Parlement fasse des efforts, mais on a un peu l'impression que c'est le gouvernement qui a forcé la main au Parlement. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a décidé de réduire la dotation du budget du Parlement? Et puis comment les membres du bureau ont arbitré en fonction de l'objectif de réduction des dépenses? Comment on a finalement traduit cette réduction de moyens dans des choix? J'ai pu lire qu'il y avait notamment eu en 2021 une espèce de budget base zéro à l'échelle du Parlement de Wallonie. Qu'est-ce que ça a impliqué comme décision et comment ça se traduit dans les propositions budgétaires présentées par le bureau? En ce qui concerne le volet des dépenses extraordinaires, c'est un peu présenté comme un budget communal, avec dépenses courantes et dépenses exceptionnelles ou de travaux. J'ai entendu les explications de Mme Greffier disant qu'il y avait des crédits qu'on retrouvait parce qu'ils n'avaient pas été exécutés l'année précédente, donc des prévisions budgétaires. Je ne voudrais pas parler de crédits, de prévisions de dépenses. Mais ma question, c'est que par rapport à ces prévisions-là, quelles sont celles qui ont fait déjà l'objet d'une décision engageante par le Parlement? Est-ce que dans les dépenses que nous avons ici soumises à l'extraordinaire, il s'agit des dépenses pour lesquelles on a encore aujourd'hui la capacité de dire non, ou est-ce qu'une partie de ces dépenses, en réalité, sont mécaniques parce qu'elles elles font déjà l'objet d'une décision et c'est finalement le paiement ou le suivi de l'exécution qui nécessite une prévision budgétaire. Troisième point, on n'a pas l'état des réserves du Parlement aujourd'hui. Moi, j'aimerais connaître quelle est la capacité, puisque si j'ai bien compris, si le budget, les moyens budgétaires de l'année ne sont pas suffisants, on va puiser dans les réserves. Et une des références qui avait été indiqué dans les extraits que j'ai cités, montre qu'on a puisé dans les réserves et qu'elles ont donc diminué. Moi, je voudrais savoir, à l'état actuel, donc aujourd'hui 7 décembre, quel est l'état des réserves du Parlement et quelle est la projection au 31 décembre de l'état des réserves du Parlement. Dernière question générale. Dans les propositions ici, il y a un impact important en ce qui concerne l'augmentation du nombre de personnels travaillant au sein du greffe. C'est un nombre qui est important puisque, si j'ai bien noté, il y a 17 engagements en recrutement qui sont prévus en 2023 pour 2 personnes qui partent à la retraite. Donc ça fait une augmentation du nombre de personnes travaillant au sein de cette maison de 15 unités. C'est beaucoup. À quoi correspondent cette demande formulée par le bureau? Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Chef de groupe. Madame Reckmans.
Merci, Madame la Présidente. Mais d'abord, je voulais effectivement rappeler que nous nous réjouissons que cette commission de la comptabilité puisse se réunir. C'est effectivement une première et nous devons, je pense, comme d'autres l'ont fait, remercier les services et en particulier le travail de Madame la Greffière qui s'est tenue dans des conditions très difficiles. Alors, on peut souligner la présentation de qualité de ce document qui permet vraiment d'analyser correctement le budget 2023. Nous disposons des tableaux comparatifs avec les comptes 2021 et avec le compte 2022. Nous avons des commentaires sur chacun des articles pour les postes les plus significatifs, ce qui est évidemment très, très utile pour notre travail. Alors, je voudrais peut-être poser trois questions et puis encore réagir. Trois questions sur les paramètres d'établissement généraux du budget. Donc, le projet de budget est basé notamment sur les résultats du contrôle budgétaire de la mi-2022. Alors, pour qu'on comprenne bien les enjeux de cela, pourriez-vous nous expliquer comment le contrôle budgétaire fonctionne ? Ensuite, en ce qui concerne les dépenses de capital, on a des dépenses qui sont nettement revues à la baisse. On passe de 22,7 millions à 8,3 millions. Est-ce qu'il s'agit de la fin d'un cycle d'investissement ou bien est-ce qu'il y a encore des dépenses de capital qui viendront en plus dans les années suivantes, donc après 2023 et par ailleurs, tenant compte de l'avancement des chantiers, est-ce qu'on a pu abandonner certaines dépenses ou certains travaux ? Et également une question qui a déjà été soulevée sur le fonds de réserve. Il y a un prélèvement du fonds de réserve qui est moindre en 2023. On prélève 7,6 millions en gros au lieu de 20,5 millions. Et donc, à combien finalement s'élève le fonds de réserve à ce jour ? Voilà la troisième question sur laquelle je voulais que nous ayons réponse. Et pour le reste, nous partageons ce qui a été dit et les demandes évoquées par M. Hardy sur les lanceurs d'alerte, sur le statut syndical, mais aussi sur les délégations. Ce sont des chantiers sur lesquels nous souhaitons avancer. Une délégation, ça ne veut pas nécessairement dire inflation de dépenses, comme je l'ai entendu, mais bien un contrôle accru sur leur fonctionnement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Tzanetatos. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, pour les petits mots à l'entame de cette commission. Merci, Madame la Greffière, pour l'exposé. Finalement, vous avez été assez complète. Simplement, au nom de mon groupe, vouloir d'abord souligner l'importance de la tenue de cette commission, qui démontre clairement la volonté accrue de jouer le jeu, finalement, et contrairement à ce qui parfois a été distillé par voie de presse, le Parlement, le Bureau et la Présidence, en ce compris les services, effectuent un travail. Le contrôle des comptes, comme M. le Président l'a justement rappelé, il est permanent. Aujourd'hui, on institue ce contrôle dans une nouvelle mouture qui se veut encore plus transparente puisque nos débats sont publics. Et je crois que la présence en nombre des parlementaires aujourd'hui, en ce compris les parlementaires de la majorité, démontre à quel point cette commission est prise au sérieux. Sur le budget 2023, puisque c'est l'ordre du jour et vous avez bien fait de le rappeler, Madame la Présidente, Madame la Greffière a justement rappelé la réduction de 4 millions d'euros. Alors, M. Dequesne a posé la question. Le raisonnement, sauf erreur, il a été initié sur l'idée du budget base zéro. On sait que l'indexation de la dotation au Parlement allait fortement impacter les revenus et le budget du gouvernement tel qu'il nous a été présenté forcément depuis ce lundi dans nos travaux et qu'il fallait faire un effort. Je crois que l'effort, c'est la volonté de tous. On a un contexte qui est touché à la fois par l'indexation et une indexation qui s'accumule à la fois pour 2022 mais également pour les prévisions 2023, j'y reviendrai, mais aussi un contexte de crise énergétique qui se doit d'être maîtrisé. Madame Sadmon, vous avez assez judicieusement souligné que la finalisation du projet de la maison des parlementaires et les dépenses de capital restent encore importantes, mais que à l'horizon de la fin de ces travaux, l'objectif est aussi de pouvoir faire des économies énergétiques puisque le bâtiment est prévu comme tel. Et donc ma première question
serait peut-être de savoir si on a déjà eu une étude des mesures d'économie qui sont envisagées avec ces travaux importants. J'ai entendu M. Mugema-Gango qui s'étonnait de voir des dépenses multipliées par 14. Je crois que vous le rappellerez à sa réponse. Mme Salmon a bien précisé, je ne me fais pas son porte-parole, elle expliquera une deuxième fois bien mieux que moi. Mais ce n'est pas parce qu'une dépense est inscrite dans un budget et qu'elle est répétée dans le budget suivant que la dépense est doublée. Simplement, si elle n'a pas été effectuée, eh bien, la dépense est à nouveau inscrite parce que ça n'a pas été fait. Je crois que vous avez cité l'exemple des gardes-corps. Mais si les gardes-corps n'ont pas été achetés, eh bien, ils sont à nouveau prévus dans le budget suivant pour le même prix, sauf inflation, sauf modification des prix. Mais là, c'est externe à la technique budgétaire. Donc mon groupe votera pour ce budget, ce n'est pas une difficulté. Peut-être une dernière question, j'ai vu que les indemnités parlementaires à 111 augmentaient de 13% pour passer à un peu plus de 9 millions d'euros et que le traitement du personnel du greffe, lui, augmentait de 1 million d'euros, soit 12,5%, pendant que, parallèlement, les traitements des collaborateurs parlementaires et de groupes, eux, augmentaient d'1% uniquement. Donc je voulais savoir s'il y avait un nombre moins important de collaborateurs politiques prévus pour l'année 2023, comment on justifiait cet écart. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. S'il n'y a plus d'autres remarques pour ce premier tour de table, je propose d'écouter les réponses du président de notre Assemblée. Merci, madame la présidente. Je propose d'introduire et puis de passer la parole à madame la greffière. Donc, comment se constitue le budget sur base de la législation existante? Pour répondre à la question de monsieur Mugema-Gango, on peut parler de tout, mais le greffe, au moment où il fait ses projections, regarde la législation en vigueur et regarde la manière dont cela va avoir un impact en 2023 sur base des éléments macroéconomiques. Aujourd'hui, madame la présidente, si vous m'autorisez, nous ne parlons que du budget, mais nous pouvons évidemment revenir devant vous pour parler de bien d'autres choses, que ce soit de la caisse de retraite ou d'autres éléments. Je voudrais indiquer que, pour répondre à la question de M. Dequesne, j'ai eu un appel du ministre-président au moment où le gouvernement faisait son budget. Vous n'ignorez pas que la crise de la Covid-19, les inondations, la crise énergétique rendent la situation budgétaire, et vous avez eu l'occasion d'en parler toute cette première partie de semaine dans les différentes commissions, ont imposé au gouvernement de faire des choix. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, le gouvernement avait accepté de ramener la dotation à son étiage, je dirais, normal, puisque sous la précédente législature, des efforts avaient été demandés au Parlement. Et j'ai considéré que dans la mesure où cela était possible, et donc après m'en être entretenu avec madame la greffière, nous avons donné notre accord de principe au gouvernement en demandant au service de faire cet effort de 4 millions. Ce qui est indiqué dans le budget, c'est que cet effort ne peut pas être reproduit né variétour. C'est une discussion que nous aurons. Mais en 2024, comme vous le savez, un certain nombre d'entre nous ne seront plus parlementaires. D'autres le deviendront. Et pendant une période de 2 années environ, il y a donc une surcharge sur le Parlement. Il faudra examiner cette situation. C'est tout ce que nous disons. Nous ne disons rien d'autre. Et donc, ce dialogue que nous avons avec le Parlement, nous le faisons. Comment le budget est-il réalisé? Je crois que madame la greffière le dira mieux que moi. Elle a suffisamment d'expérience à cet égard. Nous demandons au service de nous rentrer des propositions, comme dans toute administration, que ce soit la région wallonne, que ce soit les communes, puisque vous avez fait allusion aux communes, on demande aux services de faire un certain nombre de projections. Pour répondre à Mme Reckmans, il est clair que le cycle d'investissement massif va se terminer avec la maison des parlementaires. Nous sommes aujourd'hui, et normalement, pour le 31 décembre, les travaux de gros œuvres devraient être totalement terminés, permettant alors au parachèvement, notamment mobilier et autres, de fonctionner et donc de permettre d'inaugurer cette maison des parlementaires qui porte très mal son nom.
c'est effectivement une maison des parlementaires, mais c'est surtout le fait de disposer dorénavant de 5 salles de commission qui auront au moins la taille de celle-ci et des conditions de travail bien meilleures pour tous les parlementaires. Je pense qu'il faut rappeler ce projet qui a vu le jour en 2014, sauf de ma part, et qui donc a mis pratiquement une décennie pour être réalisé, à cet objectif de permettre au Parlement de Wallonie d'avoir un équipement de qualité. Mais nous ne referons pas la maison des parlementaires, ni sous cette mode, le mode passé, ni sous un autre mode. Nous aurons cet outil, je pense, pour de très très longues années. Et ça a été la volonté des promoteurs, c'est d'avoir un outil, notamment au niveau énergétique tout à fait performant et des conditions de travail de qualité pour les parlementaires. Pour répondre à la question de M. Tsanetatos sur les économies, c'est surtout l'économie de loyer que nous allons réaliser. Il est très difficile, tant que le bâtiment ne vit pas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dedans pour voir comment nous allons le faire fonctionner, d'avoir une évaluation abstraite de l'économie supplémentaire en termes de chauffage notamment. Donc nous le verrons plus tard, mais la grosse économie, ce sera effectivement de pouvoir interrompre des baux, notamment les locaux que nous utilisons à Jambes, qui nous permettront effectivement d'avoir une grosse économie à ce titre-là. Voilà, je me permets de vous donner la parole, Madame la greffière, peut-être pour que vous répondiez plus précisément à certaines questions. Donc pour l'établissement du budget, mais Monsieur le Président vient de le préciser, on tient compte effectivement des règles qui s'appliquent et qu'il faut intégrer dans le budget, des besoins pour faire fonctionner le Parlement qui sont établis avec les directions et les services pour que tous les services qui doivent être pris en charge par le Parlement le soient, et aussi de provisions pour prévoir ce qui pourrait arriver. Et c'est important dans un budget de aussi prévoir, que ce soit en termes de travaux ou d'autres événements, de prévoir. Et donc c'est bien ce que j'ai dit dans l'exposé, il y a des prévisions, ça ne veut pas dire qu'elles seront systématiquement réalisées. Certains postes effectivement étaient déjà prévus dans les budgets précédents, Monsieur Mugema-Gango, et ça a été reprécisé. Donc oui, il arrive que pour différentes raisons, quelque chose qui était prévu dans un budget ne soit pas réalisé, mais qu'il l'est encore considéré que ça pourrait être fait, donc on le reporte sur le budget suivant, mais il ne faut pas additionner les montants puisqu'ils n'ont pas été engagés. Donc ça, au moment des comptes, vous verrez ce qui a été effectivement engagé et ce qui vous permettra de comparer les deux documents. Alors, pour ce qui concerne le personnel, il y a effectivement un plan de recrutement qui est en cours depuis plusieurs mois et qui est en phase de finalisation. Donc les jurys se réunissent pour le moment. Il ne s'agit pas formellement de 17 nouvelles personnes. C'est aussi parfois pour remplir des postes qui sont déjà occupés pour le moment, soit par un contrat, soit par un intérim. Donc on ne va pas avoir subitement 17 nouvelles personnes. Il y a déjà des postes qui sont occupés. Quant au fait de savoir si le personnel est ou non suffisant, je peux vous dire que tous les agents, que je remercie d'ailleurs, travaillent énormément pour le moment à assurer toutes les missions habituelles du greffe et puis d'autres, dont celle en lien avec cette nouvelle commission. Et donc, en fonction des différentes missions qui seront précisées lors de vos prochains travaux, notamment dans le cadre de cette commission, on pourra déterminer plus concrètement s'il y a des besoins supplémentaires. Et il est probable, effectivement, que pour certaines missions, il faudra effectivement recruter des personnes spécialisées dans des matières plus précise. Alors, pour ce qui concerne le contrôle qui s'opère, Madame Rickmans, sur le budget, mais d'abord, il y a un ajustement qui est réalisé chaque année au sein des directions et des services pour vérifier au mois de juin. Donc, au 30 juin, on arrête les chiffres et on vérifie où on en est dans la réalisation. Et donc, on peut comme ça avoir l'attention attirée sur les éléments qui pourraient poser difficulté. Pour 2022, c'était évidemment l'indexation, puisque en dépit de ce qu'on avait prévu, il y a eu plus d'indexation, donc ça supposait d'avoir notre attention attirée sur ces éléments. Il y a aussi des contrôles que je dirais plus réguliers, donc assez facilement, je peux avoir un état d'engagement de toutes les dépenses et voir où potentiellement il y a un point d'attention à avoir. Et chaque responsable de service et de direction est invité à aussi vérifier les dépenses qui engage sur base des projets qu'il a proposés dans le cadre de l'élaboration du budget. Donc le contrôle existe.
Alors, pour la fin du cycle d'investissement, Monsieur le Président a répondu. Pour ce qui concerne l'augmentation de la charge pour les collaborateurs parlementaires, en fait, là, on est à un stade où la plupart, presque tous les quotas en fait, des collaborateurs sont utilisés, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc, on est avec quelque chose de plus stable que les précédentes années où des quotas étaient libres et donc où on prévoyait l'engagement. Maintenant, ils sont réalisés. Merci Madame la greffière, merci à vous deux pour toutes ces réponses apportées. Je propose d'entamer un deuxième tour et de redonner la parole aux parlementaires, notamment pour des questions aussi plus particulières. Donc j'avais noté Monsieur Bastin, mais je pense qu'il y a encore d'autres. Je sais que Monsieur Deken voulait également intervenir. Oui, je prends note hein, pour ce deuxième tour. Oui, monsieur Bastin. Oui, je voudrais rebondir sur d'abord quelques réponses fournies par monsieur le Président et madame la greffière concernant les recrutements. Oui. Pardon. J'avais compris que monsieur Bastin prenait la parole. Mais c'est pareil. Arrangez-vous entre vous, de toute façon. Donnez la parole à monsieur Deken, voilà. Ce sera bien comme ça, madame la présidente. D'accord, d'accord. Monsieur Deken, à vous la parole. Excusez-moi. Trompé dans le compte-rendu. Hein. Je vais revenir sur les questions des recrutements supplémentaires. Est-ce qu'on pourrait avoir un tableau des postes correspondant au recrutement, hein, les 17, et expliquer quelle est la fonction sur laquelle on recrute? Et sur chacune de ces fonctions, si aujourd'hui il y a un intérimaire ou un contrat spécifique, style compte rendu analytique, qui travaille, de façon à ce qu'on puisse comprendre pour quelle mission on recrute au Parlement ou les personnes qui sont remplacées par départ à la retraite ou départ volontaire. J'ai pas entendu le chiffre sur les réserves du Parlement au 31 décembre ou les projections de réserves. C'est quand même un élément important, notamment par rapport aux remarques formulées in fine dans la note accompagnant le budget. Et enfin, je voudrais avoir une réponse peut-être plus précise ou plus détaillée sur le fait, est-ce que les montants qui sont proposés ici sur la partie dépenses extraordinaires, travaux, est-ce que ce sont des montants qui correspondent à des décisions déjà prises ou est-ce qu'il y a sur certaines décisions, des nouvelles décisions qui doivent encore être prises. Bref, est-ce qu'on a signé des contrats, est-ce qu'on a pris des engagements, ou est-ce qu'au contraire, les contrats ont déjà été signés, ou le chantier est en cours, ce sont des suppléments. Voilà, j'aimerais un peu comprendre la nature de ce qui est proposé dans ces lignes de dépenses extraordinaires. Merci. Monsieur Bastin. Oui, merci, madame la présidente. C'est bien, moi, cette fois-ci. Donc, je vais revenir sur quelques précisions, mais mon collègue l'a déjà fait sur une partie concernant les engagements et aussi concernant les engagements personnels et aussi les engagements sur la future maison des parlementaires qui, si je l'ai bien compris, ne porte pas bien son nom. Vous aviez parlé, monsieur le président, d'une diminution des locations. J'aurais voulu savoir, concernant le bâtiment Square Masson, vous avez parlé de jambes, Square Masson, comment va-t-il être réorganisé? Parce qu'on voit quand même dans les dépenses en capital des montants relativement importants pour ce bâtiment. Donc, qui dans l'organisation, qui va rester là? Comment se fait-il qu'il y ait encore autant de dépenses? Est-ce que nous allons le louer? Quels sont les montants des locations qui seront demandés? Si certains bureaux sont loués, à qui? Et oui, bien comme je viens de le dire, donc les montants de ces recettes de location. Concernant la base du travail du budget 2023, si j'ai bien lu, ces chiffres donc datent du contrôle budgétaire de 2022, mais de mi-2022. Et il est vrai que dans nos communes respectives, les mandataires locaux, on essaye de prévoir le budget 2023 sur des chiffres les plus récents, les dépenses les plus récentes possibles dans l'année 2022. Donc, est-ce que nous aurons un contrôle budgétaire qui est prévu pour la fin de cette année? Est-ce qu'on pourrait
en recevoir une copie, si c'est possible? Et quand prévoit-on l'élaboration du compte 2022 dans le cadre du personnel? Mon excellent collègue Deken, chef de groupe, a posé les questions sur la précision. Concernant les dépenses en capital, oui, je l'ai dit, on voit une installation d'un UPS central pour 145 000 euros en square maçon. Il y a aussi des travaux d'étanchéité, j'ai vu quand même pour quelques centaines de milliers d'euros. Donc là, je voulais avoir un peu plus d'informations. Concernant... Oui, on a parlé de l'indemnité donc des parlementaires. Hein. On est tous bien conscients. Je pense que même M. Tsanetatos en a parlé, que le gouvernement avait fait un effort. Je ne veux pas lancer un pavé dans la mare, mais je pense que les parlementaires aussi peuvent faire un effort. On peut voir qu'à tout niveau, quand on fait une indexation d'un salaire, quelqu'un qui gagne 1000, qu'on lui met 10%, il a 100. Quelqu'un qui gagne 5 000 et qu'on lui dit 10%, il a 500. Donc, c'est, pourquoi pas, je pense que ça peut être un beau débat sur l'indemnité des parlementaires et pourquoi ne pas les indexer en 2023. Ça fera aussi une belle réduction dans ce poste. Monsieur Mugemangango. Merci, Madame la Présidente. Mais d'abord, juste réagir alors aux réponses qui ont été données. Donc, évidemment... J'entends ce que disent Madame la Greffière et Monsieur le Président du Parlement. Je ne doute pas évidemment qu'on a respecté la loi en faisant le budget. Je crois que l'enjeu est là, mais l'enjeu est aussi ailleurs. L'enjeu, c'est aussi au niveau de la transparence même des documents qui permettent à des parlementaires qui ne sont pas des fiscalistes, en tout cas ce n'est pas mon cas, de bien comprendre en fait finalement ce qui va être voté. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le problème de pouvoir détailler certains montants. Donc on a des montants qui sont globaux et en fait on n'a pas les détails. Et donc ça veut dire que finalement on ne sait pas ce qu'on décide. Donc on prend les 3 millions dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne sait pas exactement finalement ce qui est compris dans la proposition de budget par rapport à ces 3 millions. Et je veux dire que ce problème d'ailleurs avait d'ailleurs été posé déjà il y a quelques années au moment de la vérification au compte, par moi-même et que par d'autres vérificateurs au compte qui posaient le problème qu'on a un document qui reprend des montants globaux sans finalement assez d'explications pour vraiment pouvoir décider. Donc voilà, donc je pense franchement que le fait d'avoir ces détails, mais tout à l'heure je reviendrai sur les éléments sur lesquels je voudrais avoir les détails, je pense que c'est vraiment important. Mais alors l'autre élément qui a été relevé par M. Tsanetatos et confirmé par Mme la Greffière, donc des montants qui reviennent d'année en année, j'ai bien compris qu'alors ils ne sont pas dépensés. Mais quand je reprends par exemple les montants du hangar, qu'on reprend de document en document. En 2020, c'est marqué 15 000 euros. En 2021, c'est marqué 48 400 euros. En 2022, c'est marqué 206 000 euros. En 2023, c'est marqué 102 000 euros. Donc finalement, c'est quoi? Donc voilà, finalement, ce hangar va coûter combien? Et c'est quoi finalement la raison ou les raisons de ces variations très importantes sur finalement un seul élément qui est le hangar? La vérification que je n'ai pas faite, Madame la Greffière, peut-être que vous l'avez, c'est que je n'ai pas été vérifié à chaque fois dans les comptes. J'aurais dû faire ça, effectivement, vérifier à chaque fois dans les comptes ce qui a effectivement été dépensé, parce qu'en tout cas, l'évolution du montant est réellement importante. Et je me demande même si dans les commentaires, puisque vous avez la gentillesse de mettre une série de commentaires dans les documents, est-ce que dans les commentaires, on ne devrait pas indiquer effectivement les montants qui ont été réellement engagés ou pas, simplement, pour éviter qu'il y ait cette méprise de savoir... Si les montants ont été dépensés ou pas. Alors, sur la maison des parlementaires, j'avais une question en fait, qui est peut-être similaire à celle qui a été posée par les collègues. Donc on évoque maintenant, donc, ça a été évoqué d'ailleurs dans la presse encore ce matin, le montant de base était de 17 millions d'euros. Maintenant, on évoque un montant de 46 à 47 millions d'euros. Est-ce que les montants qui sont budgétés maintenant s'ajoutent à ces 47 millions d'euros ou est-ce qu'on est sous la barre des 47 millions d'euros? Si on prend simplement, évidemment, le matériel vidéo, on arrive alors à 50 millions d'euros, sans prendre le reste. Et donc la question est de savoir si on est face à encore une augmentation de ce montant ou pas. Je n'ai pas reçu de réponse, je pense, sur la caisse de retraite, à moins que je n'ai pas été attentif, mais je pense qu'il n'y a pas eu de réponse sur les questions qui ont été posées par rapport à ça. Si c'est moi qui n'ai pas été attentif, excusez-moi, mais si on peut préciser. Et alors... Je partage évidemment la préoccupation qui vient d'être dite sur l'effort. Donc on demande finalement à tout le monde de faire des efforts, on demande aux citoyens de faire des efforts.
Monsieur le Président du Parlement vient d'expliquer les efforts qu'on demande effectivement au fonctionnement du Parlement même, mais finalement, on ne demande pas aux parlementaires et aux partis de faire des efforts. Donc ça pose évidemment question. Donc tout le monde doit faire des efforts, sauf les parlementaires. Et donc là, je pense effectivement qu'il faut réfléchir à quelles sont les mesures qui pourraient être prises par rapport à la dotation des partis, qui, je le rappelle, est quand même de 8 millions d'euros, ou par rapport au salaire des parlementaires, par rapport à un effort qui doit être fait. Je partage cette préoccupation. Par contre, pour être clair, je ne partage pas du tout l'idée d'agir par l'indexation. Donc l'indexation, c'est quelque chose de sacré. Donc ça, évidemment, on ne peut pas agir via l'indexation. Donc ce serait évidemment un mauvais signal par rapport à un système qui est indispensable et qui doit être maintenu. Et je lis encore hier dans la presse que la plupart de nos citoyens estiment même que l'indexation n'est pas suffisante. Donc on ne doit pas toucher à ça. Par contre, on doit bien effectivement envisager une diminution linéaire des rémunérations des parlementaires. Je l'ai dit. Mon parti propose la division par deux de ces rémunérations, donc ce n'est pas l'avis des autres partis, mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien entendre effectivement les autres partis sur quel effort devraient faire effectivement les parlementaires par rapport à leur rémunération. Peut-être pour le bon ordre de nos travaux, je vous proposerai de poursuivre avec vos questions particulières, comme ça on pourrait avancer, comme M. Bastin l'a fait d'ailleurs pour le groupe CDH. Je vous en prie. Ok, pas de problème. On parle dans les documents, on parle régulièrement du terrain Notre-Dame, je pense. Donc le terrain pour le parking. En fait, quel est le statut de ce terrain actuellement? Donc si j'avais bien compris, ce terrain en fait n'est plus la propriété du Parlement. Il doit être racheté. Donc voilà, si on peut expliquer c'est quoi ce statut, vu qu'il y a quand même des projets par rapport à ce terrain. Alors, ben, les montants ou les éléments sur lesquels je trouverais intéressant d'avoir les détails, on parle par exemple de 20 000 euros concernant la suspension de chantier. Donc, quelles sont ces suspensions qui sont anticipables et quels sont effectivement les chantiers qui sont concernés. On parle aussi de différents postes, on parle d'achat d'œuvres d'art par exemple. si c'est vrai, c'est dans le document. Donc d'achat d'œuvres d'art, donc de quoi on parle. Il y a ce fameux poste, effectivement, repas, boissons, etc. Est-ce qu'on peut détailler, effectivement, de quoi on parle dans ce poste-là? On parle aussi de la vente d'un bâtiment. Donc si on peut expliquer aussi ça. Un poste qui va aussi augmenter, c'est le poste de location de véhicules. Pour quelles raisons? Il y a un poste qui, lui, diminue légèrement, qui est un poste quand même néanmoins important, c'est sur la consultance. Donc alors j'aimerais bien savoir effectivement dans quel domaine précis on a besoin effectivement de ces consultances. Et je pense qu'avec ça, j'ai posé... Donc il y a aussi effectivement une série de postes dont, dans aménagement de bâtiments. Je vous l'ai dit brièvement, donc j'avais déjà effectivement parlé de construction de la nouvelle maison des parlementaires, 500 000 euros. Exactement, ça veut dire quoi? Les équipements audiovisuels, si on peut avoir le détail. 820 000 euros d'étanchéité du bâtiment, j'imagine que c'est évidemment indispensable, mais c'est un montant important si on peut effectivement expliquer effectivement de quoi il s'agit. Et alors, on parle aussi dans le document de toute la sécurité qui doit être mise en place à travers les lecteurs de badges, etc. On parle de ce que ça va coûter en 2022, mais on parle aussi de finalement ce qui va être pris aussi en compte en 2023. Je ne sais pas si on peut déjà effectivement avoir une idée du montant dont on parle. Regarde si j'ai posé. Pom 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 pom, ça j'ai dit. Oui, évidemment, ben, ça c'est plus une remarque qu'autre chose. Je remarque dans le budget évidemment qu'on est impacté, nous aussi, par l'augmentation du prix du gaz et du prix de l'électricité. Voilà, je ne peux qu'inviter l'ensemble des groupes, évidemment, à militer pour le blocage des prix, puisque ça nous impacte, nous aussi. Et alors, il y a évidemment le poste des missions extérieures ou des voyages extérieurs qui sont aussi dans le budget. Et là aussi, j'aimerais bien avoir effectivement le détail. Et alors, on parle aussi d'assurance greffe. J'aimerais bien savoir c'est quoi exactement. Est-ce qu'on parle de l'assurance du personnel? Est-ce qu'on parle de l'assurance toute assurance confondue? Donc, c'est quoi exactement assurance greffe? Voilà, je pense qu'avec ça, Madame la Présidente, j'ai posé la plupart de mes questions.
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Juste concernant la caisse de pension des parlementaires, le président du Parlement tout à l'heure nous a proposé d'avoir une séance dédicacée à cette question-là parce qu'il y aura sans doute pas mal d'éléments à poser. Mais donc voilà, c'était pour vous dire que ça n'avait pas été évacué mais qu'il y avait une proposition pour travailler sur le dossier ensemble. Je vais passer la parole à Monsieur le Président du Parlement. Je vais, sauf s'il y avait d'autres questions, mais... Oui, tout à fait. J'avais demandé en fait qu'on passe aux questions plus précises, en effet, pour pouvoir avancer. Je vous en prie, Madame Reckmans. Oui, donc je ne sais pas comment... je fais comme d'autres collègues en passant d'un point à l'autre, sinon je pensais éventuellement qu'on suivait le document, mais je vais le faire en le suivant. Peut-être quelques questions. Au document page 2, dans les fournitures diverses, il y a là une augmentation qui est plus importante que l'inflation. Entre le compte 2021 et le budget 2022, le montant est multiplié par 2. Et entre le budget 2022 et le budget 2023, il y a une augmentation de plus de 50%. Est-ce que les augmentations des tarifs de Poste et Belga Presse expliquent cette hausse? Question aussi sur la location des véhicules. Je voulais savoir s'il s'agissait de location de taxi ou de loyer de voitures en leasing. En ce qui concerne les recettes courantes, on évoque, page 10 dans le tableau, la récupération de l'indemnité de départ. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ce que cela concerne et pourquoi une augmentation de 2,5 fois le montant de 2022? Alors, même question pour les bâtiments et le fait que les espaces du square maçon vont être libérés. Est-ce qu'il ne serait pas effectivement envisageable de les louer? Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'un loyer ne pourrait pas être programmé? Ensuite, en ce qui concerne les produits financiers, donc c'est le cas 1, on a un montant de moins de 106 000 euros à peu près pour le compte 2021. Ce sont des charges ou des intérêts d'emprunt? Pourquoi ne sont-ils pas inscrits en dépenses courantes ou frais financiers? Et alors, je voulais savoir s'il y avait des charges sur emprunt qui étaient prévues en 2023. Voilà. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions plus précises, je passe la parole à M. Marcourt. Donc, peut-être commencer par le bâtiment du square maçon. Effectivement, lorsque les groupes pourront investir la maison des parlementaires, des espaces seront libérés. Et une réflexion est en cours au sein du greffe pour réaménager ces espaces pour donner plus de confort d'abord aux agents du greffe, parce que aujourd'hui, pour tous ceux qui vivent dans le bâtiment, il y a un certain nombre d'agents qui vivent dans des locaux où je dirais le confort ne me paraît pas adéquat. Et donc la première chose, c'est d'abord de réaffecter. Si nous avons des espaces libérés disponibles, c'est aussi de réfléchir à intégrer dans le square maçon tout ce qui dépend du greffe et qui ne s'y trouve pas. Je pense notamment au service de médiateurs qui pourraient, et là nous ferions une économie de location. Donc cette réflexion-là, nous l'aurons dans le courant de 2023, mais rien n'est arrêté puisque les retards liés notamment à la crise du Covid font que la date d'entrée... On imagine maintenant plus ou moins précisément quand, mais donc on n'a pas pris d'éléments arrêtés sur cette question. Deux, sur le hangar, puisque c'est le vocable utilisé, il y a un conflit juridique aujourd'hui entre le propriétaire et le Parlement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la rue ici Notre-Dame est bloquée très régulièrement et les riverains souhaitent que les travaux se terminent le plus vite possible parce qu'eux n'ont pas accès nécessairement à leur domicile ou à leur établissement en raison du fait que la route est bloquée, puisqu'on utilisait le parking qui aurait dû être le hangar.
Et donc nous recherchons une solution juridique à cette question. Ce n'est pas simple parce que les outils juridiques dont nous disposons ne nous permettent pas de contraindre le propriétaire. Nous verrons donc bien en 2023. Sur la variation des projets et des coûts, parce qu'effectivement, on peut s'étonner, c'est globalement lié aux exigences de l'urbanisme. Nous voulions faire un hangar avec le plus simple possible, en raison de l'environnement, de la présence de la citadelle, de la présence de beaux bâtiments comme le Parlement. L'urbanisme a exigé un certain nombre de contraintes qui font que le coût augmente de manière considérable. Mais le projet est aujourd'hui à l'arrêt puisque nous n'avons pas la disposition du fonds. Voilà la situation globale. Je rappelle simplement qu'un budget, c'est une prévision. Et que ces prévisions et ces provisions vont se réaliser ou pas. Et c'est le but, je dirais, de la mise en place de cette commission de la comptabilité, Madame la Présidente, c'est que tout au long de l'année, on ait une vision en temps réel de la situation et plus simplement le budget à un moment donné et le compte à un autre moment. Et donc, nous aurons ainsi ce dialogue qui, j'espère, vous permettra de mieux rentrer encore dans le budget du Parlement et de voir que, comme dans toute entreprise, nous évoluons avec le temps. Et si, pour ceux qui fréquentent le square maçon, eh bien, les ascenseurs sont inscrits depuis plusieurs années, une partie des ascenseurs à rénover. Pour ceux qui les utilisent, ils savent que ce ne serait peut-être pas inutile de les rénover. Mais d'autres priorités ont été mises en avant. Et donc, nous avons remis dans le budget 2023 cet élément-là, alors qu'il était déjà dans le budget 2022 et que nous n'avons pas réalisé le projet. Donc voilà un peu. Je rappelle que le greffe, c'est très peu de personnes qui peuvent maîtriser ce genre d'éléments. Et j'en terminerai sur les recrutements. Depuis la prise de fonction de Madame la greffière, nous réfléchissons à faire évoluer le management du greffe. Et aujourd'hui, reconnaissons-le, le départ d'une personne qui avait des compétences en matière financière, le fait que d'autres soient en congé maladie, fait que nos ressources sont extrêmement limitées. Et donc, il y a une réflexion. Et dans l'arbitrage qu'il faudra faire, si nous décidons de modifier l'organigramme du greffe et d'engager un certain nombre de responsables, notamment au niveau financier, mais pas seulement, eh bien, ça aura un impact sur notre budget et nous devrons là aussi arbitrer un certain nombre de choses. Mais aucune décision n'ayant été prise, nous ne l'avons pas encore projetée et budgétée en ce sens. Voilà ce que je voulais dire et je passe la parole à Madame la greffière, si vous m'y autorisez, pour qu'elle puisse compléter mon propos. Alors, par rapport à la question de Monsieur Dequesne sur est-ce que toutes les décisions ont déjà été prises et est-ce qu'on peut pas revenir, mais en fait, il y a encore une capacité de dire non sur certains projets, mais d'autres dépenses sont effectivement basées sur des marchés déjà accordés ou sur des dépenses qu'il faut effectivement faire. Donc, en fonction des projets. Je pense notamment aux aménagements. Certains aménagements n'ont pas encore été décidés. Il n'y a pas encore eu de décision du bureau ni de marché public lancé. Donc il y a encore une marge sur certains aspects. Alors, Monsieur Bastin, par rapport aux chiffres plus récents du budget, comme je l'ai indiqué, on peut les avoir au jour le jour. Donc on les a vérifiés, pas sur base des chiffres de juin, mais sur base des chiffres d'octobre pour établir le projet de budget. L'article 169 du règlement maintenant prévoit qu'il y aura un rapport trimestriel au sein de cette commission et donc vous aurez des chiffres arrêtés à chaque trimestre qui vous permettront de voir une évolution du budget en temps plus réel. Quant aux comptes, on les établit généralement, on les finalise en mars de l'année et sur base des nouvelles règles aussi que vous avez décidées, ils seront maintenant adressés à la Cour des comptes
pour vérification avant que la commission de la comptabilité puisse les examiner. Après, donc vérification de tous les éléments. Par rapport aux travaux du bâtiment du square Arthur Masson, mais Monsieur le Président vous a indiqué qu'il sera encore occupé par les agents du greffe, donc il y a encore des travaux à envisager. L'étanchéité, c'est le parking au niveau du zéro, donc de l'accueil. Donc ceux qui passent parfois sur ce parking voient que les pavés sont déchaussés et donc il y a des infiltrations d'eau qui ont des effets sur le... Ça coule dans le parking, en fait, concrètement. Et donc, il faut arracher les pavés, refaire un bac pour éviter les infiltrations d'eau. Donc, ça, c'est l'objet des travaux. L'UPS, c'est un système qui permet, en cas de coupure de courant, de ne pas perdre tous les documents sur lesquels on travaille notamment. Ce type de système est ici au bâtiment Saint-Gilles. Donc il y a ce système qui permet de basculer sur un système de secours et d'éviter les problèmes. L'idée est aussi de le faire square Arthur Masson pour éviter ce type de difficultés. Alors, pour le détail de certains montants, M. Mugema-Gengo, bien... Vous pouvez poser les questions et on pourra vous y répondre sans problème. Alors pour l'audiovisuel et le montant qui est prévu pour la maison des parlementaires, concrètement, c'est les pupitres que vous avez devant vous, qu'il faudra installer dans les salles de commission de la nouvelle maison des parlementaires. C'est des écrans de ce type-ci qui seront aussi dans toutes les salles de commission. C'est des écrans aux accueils. Voilà, et ils ont été établis sur base de besoins et sur base de règles similaires à l'équipement du bâtiment Saint-Gilles que vous occupez actuellement. Les 20 000 euros qui sont prévus pour des frais de suspension de chantier, c'est une provision. Donc, pour le cas où des chantiers devaient être suspendus, eh bien, il y a une provision. Il n'y a plus de grands chantiers prévus. Donc, a priori, cette provision ne devrait pas être utilisée. J'insiste bien, c'est une provision pour le cas où. Alors, pour les œuvres d'art, c'est un montant qui est traditionnellement prévu, mais comme vous le voyez dans le document, aucun montant n'a été engagé les années précédentes et je n'ai pas connaissance de montants qui seraient engagés pour le moment. Tout ça se ferait évidemment sur décision du bureau. C'est un montant de 2000 euros qui est de toute manière prévu. Alors, par rapport à la consultance, donc c'est en B21, il y a toute une série de consultants qui assistent les services du greffe en support. Ça peut être la maîtrise de l'œuvre d'ouvrage, comme vous l'avez vu dans le cadre des chantiers. Ça peut être des avocats, ça peut être de la traduction de documents, de l'interprétariat. Voilà, il y a toute une série d'éléments qui peuvent intervenir. Alors... les assurances du greffe, c'est les assurances qui couvrent le mobilier ou l'immobilier, donc pas le personnel. C'est le bâtiment, par exemple, celui-ci qu'il faut assurer et le futur bâtiment qu'il faut aussi assurer. Pour H2, le leasing de voitures, enfin les voitures, ça vise à la fois le leasing et les taxis. Qui peuvent être utilisés par des agents, notamment en cas de travaux tard dans la journée et à un moment où il n'y a plus de transport en commun. Donc il y a des agents qui viennent en transport en commun. Et donc si les travaux durent très tard, bien, il n'y a plus de possibilité pour eux de rentrer, sauf celle-là. L'augmentation s'explique par une erreur dans le budget 2022. Il avait omis de tenir compte de la TVA pour le leasing. Donc il n'y a pas de leasing supplémentaire, c'est juste une correction par rapport à la TVA. Pour Belgapresse, ça relève de l'article 131 à 131. Et il y a eu cette année une décision de regrouper tous les éléments en lien avec les services offerts par Belga dans un seul article. Et c'est en A131 que ça se retrouve, et ce qui explique la petite augmentation. Pour les recettes, Madame Ricmans, les indemnités de départ. Donc ce sont des projections qui sont faites sur base... des sorties possibles, et donc ce n'est jamais qu'une provision. Mais voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on récupérera 150 000 euros, mais si des députés sortent, alors on se retourne notamment vers le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour récupérer une partie, puisque vous siégez dans les deux assemblées, donc on récupère une partie de la prise en charge de l'indemnité de fin de mandat. Et il n'y a pas de charge d'emprunt, Mme Ricmans. Merci.
Alors pour les réserves, il n'y a pas d'article dans le budget pour les réserves. Et donc, c'est un montant qui, effectivement, est quelque part préservé au sein des comptes du Parlement pour assurer, effectivement, le renouvellement. Mais comme vous l'avez vu dans le budget, il n'y a pas d'article budgétaire spécifique avec un montant qui est arrêté. Merci pour ces réponses. Y a-t-il des questions complémentaires? Monsieur Bastin. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai deux, trois petites questions, mais ça peut paraître parfois un peu dérisoire sur les montants, mais c'est juste pour, voilà, je vais rentrer dans le détail. En tous les cas, en ce qui concerne, je réagis sur les contrats Belga Presse, Madame la Greffière. J'ai bien compris que vous regroupiez tout sous un article. Et j'ai un peu un regret parce que finalement, sur les contrats, sur les abonnements, on passe quand même de 105 000 à 54 000. Ce qui est dans l'organisation, on perd des accès. Je trouve que c'est quand même primordial de donner l'accès à l'information pour augmenter en tous les cas le pouvoir du gouvernement. Où j'ai mal lu, mais pour moi, on passe de 105 à 54 000. Et j'avais aussi une question concernant la dotation au médiateur, j'ai bien compris qu'il va probablement se retrouver, enfin peut-être, c'est dans les différents scénarii, qu'il va peut-être se retrouver square maçon. Et puis je vois qu'on a augmenté sa dotation à 1 672 000 euros, simplement pour savoir si ce montant est identique par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors un autre petit montant, ce sont les dépenses des archives, qui ne sont que de 6 000 euros en 2023. C'était 4 000 en 2022. Là, je suis un peu étonné d'un si petit montant. Est-ce que vous avez une explication sur ce crédit? Et alors, concernant la consultation populaire, en page 9, là, vous parlez d'une dépense de 200 000 euros intitulée donc, « Consultation populaire régionale ». Donc, si je ne me trompe pas, on sera en 2023, donc je pas certain qu'on pourra encore organiser parce qu'on sera très très proche des élections de 2024. Est-ce qu'on pourra encore faire une consultation populaire? Parce que là, on gagnerait quand même 200 000 euros au budget. Donc, on pourrait peut-être prendre des abonnements chez Belga Presse et supprimer les 200 000 euros sur la consultation populaire, Madame la Greffière. Merci pour vos réponses. D'autres questions? Oui, Monsieur Mugemangango. Merci. Mais donc il y a une question à laquelle je crois que j'ai pas reçu de réponse. Je voulais savoir si les montants qui sont maintenant libellés dans les dépenses du Parlement concernant la maison des parlementaires s'ajoutent au montant. Non, vous avez le montant global, c'est celui qui était annoncé aux alentours donc de 46 millions et quelques. Et les montants qui sont mentionnés dans le budget 2023 étaient déjà mentionnés dans ce décompte global. C'est ça. Okay. Donc ça ne vient pas s'ajouter. On a essayé de faire un travail exhaustif et bien de sûr compter toutes les dépenses. Et sur la maison des parlementaires, toutes les dépenses sont engagées. Donc, pour répondre à Mme Breckmans qui disait « peut-on encore arrêter ?» Non, les contrats sont signés. Par contre, je parlais des ascenseurs tout à l'heure. Ben, c'était une estimation des services du greffe. Et puis, on fera un appel au marché. Si les travaux se réalisent, on verra bien. Et on verra alors le montant exact de la dépense. Et là, il n'y a pas d'engagement juridique encore qui a été souscrit, pour être clair. Ok. Ai-je bien répondu à votre question ? Oui. En tout cas, à cette partie-là, tout à fait. Alors, donc, finalement, à l'invitation de Madame la Greffière, oui, il y a cinq postes sur lesquels je voudrais avoir donc les détails. Donc, j'entends effectivement ce que vous dites sur le poste audiovisuel de 2,9 millions d'euros globalement. J'ai compris de quoi il s'agit, mais j'aimerais bien avoir le détail de cette dépense. Donc le poste qui est en construction, 500 000 euros. Ça, c'est une provision, Madame la Greffière, vous l'a dit tout à l'heure dans son exposé introductif. On a mis une provision pour des montants qui sont engagés, qui pourraient être payés sur 2022, mais en raison de l'exécution des travaux, nous ne parviendrons peut-être pas. En raison des contraintes même. Ce sont les 500 000. 2022. Donc on a gardé une provision. Et donc nous ne saurons pas vous dire à quoi ça sert, puisque nous ne savons pas nous-mêmes à quoi ça sert, mais nous voulions avoir cette réserve pour les imprévus. Ok, c'est clair pour les 500 000. Donc ma demande reste donc pour les 2,9 millions. Et alors il y a deux postes précis. Donc il y a le poste A41, donc
relations extérieures de 118 000 euros, sur lesquelles j'aimerais aussi effectivement avoir les détails. Et alors, il y a le poste E2, donc boisson alimentation, 200 000 euros, sur lesquels j'aimerais aussi avoir les détails. Et alors, Madame la Présidente, par rapport à la question qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus politique que technique sur les dotations qui sont données aux partis politiques de 8 millions d'euros et les rémunérations. Donc, en tout cas, notre intention à nous, c'est d'introduire deux amendements pour pouvoir justement modifier ces deux éléments dans le budget. Comme ça, je le dis très clairement aussi au groupe politique. Et comme ça, alors vous êtes aussi au courant de cette démarche de notre part. Oui. Madame la Présidente, je donnerai la parole à Madame la Greffière après, mais source, quand je parlais que le budget est fait à réglementation inchangée, le préalable pour faire un amendement au budget du Parlement, c'est d'abord de changer la réglementation. C'est ça que je veux dire. Donc, ce n'est pas ici, en faisant un amendement au budget, que vous allez régler le problème, puisque nous ne sommes que l'exécutant d'une décision prise par le règlement qui fixe les indemnités parlementaires. Donc, c'est en ça que je vous dis, le débat peut avoir lieu, mais il ne peut pas avoir lieu ici, dans ce format-ci, puisque nous exécutons les décisions qui ont été prises par votre Assemblée. Oui. Monsieur Mouguet-Manganko. Et donc le premier élément, évidemment, dont je prends note, et je suis évidemment d'accord avec ça, c'est que le débat peut et doit avoir lieu. Donc ça, c'est clair. Donc je pense qu'il y a d'autres groupes aussi qui l'ont souligné. Est-ce que la remarque de Monsieur le Président veut dire, en fait, que techniquement, on ne peut pas introduire d'amendement ici? Ça, c'est une question très concrète. Sinon, je suis évidemment d'accord qu'au-delà de l'amendement qu'on veut introduire, on doit trouver le meilleur chemin, le chemin réglementaire pour pouvoir changer ces deux dispositions. Mais ma question technique, entre guillemets, reste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Reckmans. Oui, je voudrais remercier Monsieur le Président et Madame la Greffière pour leur réponse et saluer l'intérêt que nous avons, y compris grâce à cette commission, d'avoir des arrêts trimestriels et donc de pouvoir suivre les dépenses au plus près. J'avais juste une question et j'entends bien les marchés déjà attribués et donc la difficulté de faire des changements. Je voudrais revenir peut-être sur le chantier général et ce que la Cour des comptes a mis en évidence. Est-ce qu'il n'y a pas une partie des sommes qui pourraient être contestées et dès lors récupérées à partir notamment de surcoûts qui seraient liés à des erreurs, des erreurs d'Interparking ou d'Arthès, par exemple? Qu'en serait-il? Merci. Oui, Monsieur Deken et Monsieur Azé ensuite. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Greffière pour les éléments de réponse fournis, même si je dois avouer que de mon côté, je reste un peu sur ma faim. La note sur le budget dit « attention, on ne sait pas très bien où on va et on n'est pas sûr d'avoir les moyens suffisants dans les années futures » et qu'on ne connaît pas l'état actuel des réserves, c'est un peu compliqué. Quand on nous dit qu'on va procéder à 17 recrutements, et encore une fois, je ne dis pas qu'a priori, ce n'est pas nécessaire de les recruter, mais qu'on n'a pas la visibilité claire sur quels sont les postes, quels sont les besoins identifiés pour lesquels le bureau demande une extension, c'est un petit peu compliqué. Et sur la liste de ce qui est décidé ou pas dans les travaux, le fait de dire, voilà, il y a des dépenses inéluctables parce qu'on a déjà signé des contrats et on va devoir les payer, et ce qui constitue de décisions nouvelles, c'est-à-dire, oui, on s'engage demain à faire tel ou tel travaux, c'est compliqué aussi. Alors c'est vrai que c'est l'application de la règle actuelle qui veut justement que le budget ne se traduise pas par un engagement en droit budgétaire, ce qui rend évidemment la lisibilité du document plus difficile, et notamment par rapport au contexte qui est aujourd'hui de savoir jusqu'où on doit aller dans les travaux, les aménagements complémentaires pour ce qui concerne l'extension du bâtiment. Donc ce sont des éléments qui nous semble compliqué, ne nous permettent pas d'avoir une vision claire de ce qu'il y a derrière le projet de budget qui est présenté par le bureau ici. Juste une précision en ce qui concerne l'effort qui est demandé au Parlement de Wallonie, et mon collègue Christophe Bastin l'a dit il y a quelques minutes,
C'est vrai qu'à partir du moment où il y a un effort qui est réalisé, qui est demandé au Parlement et auquel je peux souscrire sur le principe, vu le contexte et les difficultés budgétaires, vu aussi la nécessité pour la Wallonie de retrouver une trajectoire budgétaire sérieuse, il faut s'inscrire sur un train de réduction des dépenses. Et ce train de réduction des dépenses, il doit se faire à tous les niveaux, y compris sur la masse salariale affectée au paiement des députés. Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir. C'est vrai que ce n'est pas ici le budget qui peut le régler. Il y a un règlement spécifique qui s'applique et qui devra, à mon avis, être mis sur le métier rapidement, de façon à ce que l'effort soit partagé sur toutes les dépenses qui sont des dépenses compressibles et de façon aussi structurelle. Merci, Monsieur Azé. Oui, merci, Madame la Présidente. Quelques mots. Je veux d'abord remercier à mon tour les services pour l'engagement dans ce travail. On est dans un dispositif qui est en construction. On a aujourd'hui une première réunion. Il y a forcément des tâtonnements parce qu'il y a des éléments de compréhension, de pédagogie de votre part qui sont évidemment nécessaires puisqu'il y a cet investissement plus grand dans le contrôle des dépenses du Parlement. On se met en place progressivement et les choses s'affineront et évolueront. Deux, M. Deken a questionné tout à l'heure la réduction de dotation demandée par le gouvernement. M. le Président a été extrêmement clair sur le contact qui a eu lieu. Je pense en tout cas qu'il est tout à fait bienvenu que vous ayez donné cette réponse au gouvernement dans le contexte dans lequel on se trouve. Ça me paraît tout à fait sain. Trois, M. Bastin a questionné l'organisation d'une consultation populaire. Nous avons un décret qui existe et on applique ici aussi le principe de la législation. Ce décret, il faut sans doute l'assouplir pour faciliter l'organisation de consultations populaires régionales. C'est un dossier sur lequel nous devons encore travailler. Mais en l'état, si une action devait être mobilisée en ce sens, il peut effectivement y avoir une consultation populaire en 2023 et dès lors un montant est prévu. Le décret, me soufflait mon voisin, prévoit qu'on ne puisse plus organiser de consultation dans les 6 mois qui précèdent les élections. Ça veut dire qu'il y a encore 11 mois dans l'année 2023 pour que tel soit le cas. Tel sera-t-il le cas, vu les conditions qui sont aujourd'hui trop hautes? Probablement pas. Mais le budget, néanmoins, mentionne l'engagement budgétaire dans ce cadre-là, et ça m'apparaît assez normal. Quatrième considération, M. Deken a questionné l'enjeu des surcoûts, finalement, de la maison dite des parlementaires et du tunnel piéton. Ben, on en revient là, au travail qui a été initié au sein du bureau élargi, sur lequel une nouvelle réunion aura lieu demain avec le consultant Athéos Borne, et pour lequel, de toute façon, dans les mois qui viennent, nous aurons également l'audit de la Cour des comptes commandé par le bureau en la matière. C'est clair qu'on reparlera de cette délégation incompréhensible de 2018 qui a généré, à mon avis, des dépassements. Je n'ai pas ici envie de refaire le débat, mais puisque vous l'évoquiez, je me permettais de faire cette précision. Je ne sais pas d'ailleurs, Monsieur le Président, si on a des éléments sur le calendrier en fait de réception de cet audit. J'admets que je déborde un peu au-delà du budget, mais comme on a la discussion, s'il y a des éléments, ça nous intéresse évidemment. Et lorsqu'il y en aura, le cas échéant, c'est aussi intéressant de les partager. Complémentairement alors, je voulais aussi revenir sur la question de l'état du fonds de réserve. J'entends bien qu'il n'y a pas de crédit budgétaire sur celui-ci. En même temps, c'est une donnée importante. Et donc, si la donnée existe dans un état d'information aujourd'hui, c'est bien de la connaître. Sinon, est-ce qu'on peut alors prévoir d'avoir un retour sur ce point? Ça m'apparaît effectivement un enjeu clé. Enfin, dernière considération, M. Mugemangago a évoqué la question des rémunérations et des groupes politiques, puisqu'il nous a interpellés à ce sujet-là. Nous pensons, pour ce qui nous concerne, que c'est un débat légitime et nécessaire. Le point est revenu de l'actualité à juste titre il y a quelques semaines. Une première étape a été franchie par le gouvernement ici en Wallonie, comme d'ailleurs dans les autres entités. C'est un élément qui doit être rappelé. Et pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a un débat qui doit se poursuivre pour ce qui concerne les parlementaires et les groupes. Nous espérons bien que le travail se poursuivra. Il y a un travail qui existe au sein de la Chambre. Ça a été aussi évoqué dans d'autres assemblées. Et sans doute, d'ailleurs, est-il opportun qu'il y ait une coordination pour une certaine harmonisation, une coordination entre les partis pour avoir à mener une harmonisation des décisions qui sont prises dans ce débat légitime et important. Voilà, Madame la Présidente, quelques considérations que je souhaitais formuler. Merci, Monsieur Mugemangango.
Oui, juste une brève question. Par rapport à la question de la caisse de retraite, je comprends bien qu'on va avoir une séance qui est dédiée à ça, mais j'aurais quand même aimé avoir une réponse à la question concernant le remaniement du conseil d'administration. Donc si ça, c'est possible d'avoir une réponse là-dessus, ce serait bien. Je vous en prie, Monsieur le Président du Parlement. Même si ce n'est pas dans le budget, nous avons... Mais manifestement, je ne suis pas le seul à déborder sur le sujet. Non. Et je ne fais pas de reproche, simplement, je ne peux pas nécessairement répondre à tout. Mais là, le bureau, qui est le CA de la Caisse, a décidé de mettre fin à la position de M. Janssen au sein de la Caisse. Pour répondre à votre question, sur la consultation populaire, M. Azé a mieux répondu que je ne pourrais le faire. Sur le fonds de réserve, nous sommes un peu dans l'embarras, dans la mesure où celui qui détenait toutes les informations n'est plus disponible pour l'instant. Et donc nous communiquerons les informations, mais plutôt que de lancer un chiffre qui pourrait se révéler être inexact, j'aimerais mieux de pouvoir vous répondre par écrit à cette question. Madame la greffière, peut-être pour les autres questions. Alors, par rapport à Belgapresse, donc, jusque 2022, ces montants étaient inscrits en F4. C'est les montants que vous relevez, monsieur le député Bastin. Il a été décidé de tout regrouper en A131. Ça ne veut pas dire qu'on a diminué les montants consacrés à l'abonnement et on n'a pas réduit l'abonnement. Vous avez effectivement des accès qui sont un peu plus stricts, mais qui ne sont pas liés à une diminution des services qu'on offre aux députés, mais à des règles qui sont appliquées par Belga pour protéger les droits d'auteur. Et donc, le montant, ce n'est pas le Parlement, le bureau qui a décidé de réduire vos droits, c'est en lien avec les conditions d'accès et tout est maintenant en A131 et donc c'est pour ça que l'article F4 diminue. La dotation au médiateur, elle est décidée par le gouvernement. Le montant est différent de celui du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base du décret conjoint, en fait. Donc, il y a une participation différente des deux assemblées. C'est réglé par le décret conjoint. Les pourcentages sont différents. Pour les archives, ça concerne uniquement, concrètement, les reliures des documents parlementaires que vous voyez dans la bibliothèque du Parlement. Et donc, ce qui explique ce montant, c'est uniquement la reliure des documents pour nous permettre de garder toutes les archives législatives, donc tous les travaux parlementaires du Parlement. Alors, pour l'audiovisuel, Monsieur Mouguet-Maguengo, je n'ai pas le détail de tous les postes, mais on pourrait envisager de l'établir. Mais moi, ici, je n'en dispose pas. Il existe, mais à mon avis, ça fera quelques pages, mais on peut l'établir et envisager la communication. A141, donc, c'est un article qui concerne plus particulièrement des organismes auxquels le Parlement participe en raison du fait que c'est une entité régionale, donc c'est le CPI. Notamment, donc c'est un organisme auquel plusieurs parlements régionaux participent. Et donc c'est notamment la cotisation à payer pour participer à cette organisation. C'est aussi les éventuelles réunions qu'on organise ici, puisque le Parlement en organise, et c'est la CALRE. Et donc là, c'est la même chose, c'est la cotisation. Et là, comme vous le savez, c'est le Parlement de Wallonie qui exerce la présidence. Il exerce en 2022 et ça a été renouvelé pour 2023. Donc ça veut dire qu'il y a des séances plénières organisées, différentes réunions où on accueille des délégations étrangères assez nombreuses. Et donc c'est ces éléments-là qui sont repris sous cet article. Alors, voilà, je pense, sauf erreur que j'ai répondu, mais j'ai peut-être oublié. E2, ah oui, donc ça c'est un budget alimentation et donc c'est les cafés et tout ce que vous pouvez retrouver ici. C'est les sandwichs, voilà. Les repas qui sont donnés aux parlementaires. Pardon, excusez-moi Madame la Présidente. Donc c'est effectivement les boissons qui sont ici dans en annexe, c'est aussi... l'ensemble des coûts d'alimentation lorsque on donne des assiettes froides le midi ou des assiettes froides le soir. Voilà, c'est ça, ce montant.
Est-ce qu'il y a encore des questions concernant notre budget de fonctionnement? Non, Madame Reckmans? Juste peut-être une réponse éventuellement sur la possibilité de contester les sommes sur les chantiers de la maison des parlementaires. Donc, en fait, tant le maître de l'ouvrage que les services vérifient tous les travaux qui ont été effectués sur base de décompte. Et donc, on conteste ce qui peut être contesté, oui. Merci. Oui, monsieur Mugemangango. Oui, merci pour les réponses, madame la greffière et monsieur le président. Donc, j'enregistre la possibilité d'avoir effectivement le détail pour les 2,9 millions concernant les équipements audiovisuels. C'est d'autant plus important que c'était aussi la question qui a été posée par un autre groupe, de savoir effectivement encore qu'est-ce qu'il y a encore comme choix qu'on peut faire éventuellement de non-dépenses dans ce qui est prévu ou pas. Est-ce que finalement ce montant est concerné par un choix éventuel ou alors c'est l'inverse? En fait, tout a déjà été effectivement engagé. C'est un montant quand même relativement important. Et alors juste savoir, je sais évidemment que vous avez beaucoup de travail, je ne vais pas rajouter à ce travail évidemment, mais dans quel délai vous pensez pouvoir évidemment communiquer cette information? D'ici demain, vous pourrez avoir les informations. C'est un délai qui me convient tout à fait. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose alors de voter sur notre projet de fonctionnement. Oui, monsieur Mugemangango. Il y a encore une question. C'est sur la gestion du parking, auquel effectivement on a accès quand on vient effectivement au Parlement. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Donc, on paye une location, le droit pour les parlementaires, évidemment, de pouvoir effectivement se parquer. Voilà, est-ce qu'on part du point de vue que ce parking doit être disponible toute la semaine ou tous les jours pour les parlementaires qui éventuellement viendraient se parquer? Est-ce que ça fonctionne différemment? Donc, c'est un peu la question de comment on gère ça au niveau de cette location. Monsieur le Président. Effectivement, il y a un engagement pris avec la société qui exploite le parking pour réserver des places pour non seulement les parlementaires, mais aussi d'autres personnes, les agents du greffe notamment. Et c'est une convention quinquennale qui est en cours aujourd'hui et pour laquelle je pense que c'est effectivement quinquennale. Voilà, Madame Agrafia me dit 4 ans, mais donc est en cours, voilà, et qui n'a pas réservé de place fixe, mais qui réserve des places en permanence. Et lorsque les parlementaires viendront, évidemment, à la maison des parlementaires, ils l'utiliseront plus. C'est clair qu'il y a eu une sous-utilisation en raison du retard. Mais nous sommes liés juridiquement avec Interparking. Nous pouvons passer au vote sur le budget de fonctionnement du Parlement de Wallonie. Je propose de voter à main levée. Qui est pour? Oui, oui, je vous en prie. Mais en fait, on a introduit 2 amendements. Donc la question, c'est comment on les traite. Vous les maintenez malgré l'explication qui vous a été donnée concernant le fait que tout doit se discuter à un autre niveau? Dans la mesure où j'ai posé la question, si techniquement la remarque qui est probablement juste sur le plan réglementaire de M. le Président avait comme conséquence que techniquement on ne pouvait pas introduire d'amendement. Ah oui, non. Introduire un amendement, vous pouvez toujours. C'est ça la question. Donc je propose effectivement ces 2 amendements. Mais évidemment, on verra et les autres voies réglementaires qu'on doit prendre éventuellement. Mais je propose effectivement de maintenir ces amendements. Donc on vient d'introduire les amendements. Je n'ai pas encore les documents. Ah ben voilà. Donc c'est très simple, c'est la question de reprendre en fait la même réglementation qui a été proposée au niveau du Parlement flamand. Oui, bien sûr. En fait, ils viennent d'être envoyés et donc ils vont être déposés sur vos bancs le plus rapidement possible pour que nous puissions nous fixer dessus. Merci Madame la Présidente. Je vous propose une suspension de séance alors de 5 minutes. Ça vous va? Merci.
chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Après cette coupure, vous avez pu obtenir le document reprenant les deux amendements du groupe PTB. Je vais demander à ce qu'on puisse fermer le rideau qui se trouve juste derrière moi, en tout cas ce store-là, parce que... Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis éblouie par votre beauté. Donc, voilà. Si un homme osait dire ça aujourd'hui, il se ferait désinguer. Mais votre beauté en général, c'est la beauté intérieure, ça, extérieure. Voilà. En fait, c'est lui le problème. Vous êtes venu dans la lumière. Oui, voilà, c'est ça. Mais surtout, vous êtes... allez, je vais dire, c'est moins confortable pour vous. Il y a moyen de... Parfait, très bien. Alors, je vous propose de redémarrer nos travaux en analysant les deux amendements déposés par le groupe PTB. Monsieur Mugemangango, je vous cède la parole pour pouvoir nous les présenter. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc voilà, j'ai effectivement déjà fait état de l'écart important qu'il y a effectivement entre les rémunérations des parlementaires et finalement le salaire moyen de nos concitoyens qui donc affrontent des difficultés importantes en termes de pouvoir d'achat et notamment en termes de facture énergétique. Et je pense que dans ce sens-là, effectivement, pour des raisons plus démocratiques que budgétaires, en fait, parce qu'on sait bien que le montant, quand on le compare à l'ensemble du budget wallon, n'est quand même pas énorme, mais pour des raisons démocratiques, de rapprocher aussi, finalement, les parlementaires du niveau de vie des citoyens, je pense que c'est important de faire un effort au niveau des rémunérations. Notre proposition à nous, c'est effectivement de diviser par deux ces salaires, mais ici, ce qu'on propose dans les amendements, c'est simplement de faire les mêmes efforts qui sont déjà faits dans d'autres Parlement, notamment dans le Parlement flamand, sur deux niveaux. Donc, une réduction de 5% des salaires des parlementaires qui se fera alors donc par la voie effectivement de la discussion budgétaire et une réduction aussi des dotations de parti de 11%. Donc, dotations qui sont quand même importantes. C'est quand même 8 millions d'euros au niveau de la région wallonne. Et comme ça a été dit, on est quand même tous confrontés effectivement au fait de devoir faire des efforts, donc que ce soit au niveau du budget du Parlement ou que ce soit au niveau des citoyens. Donc finalement, il n'y a aucune raison que les parlementaires soient exclus finalement de ces efforts, il n'y a aucune raison que les partis politiques soient exclus de ces efforts. Et donc c'est pour ça qu'on présente effectivement ces deux amendements. Très bien, je cède la parole aux collègues qui le souhaitent concernant ces deux amendements. Non ? Oui, Monsieur Dekken. Oui, d'abord pour réitérer ce que mon collègue Christophe Bastin a dit, pour nous effectivement il y a des efforts à porter, notamment sur la masse salariale des députés. J'ai entendu dire qu'il fallait modifier le règlement pour ça, mais ma question est davantage ici par rapport aux amendements qui sont proposés. En fait, quelle est leur efficacité par rapport au si on les votait? Puisque, si j'ai bien compris, c'est une découverte relativement récente pour moi-même, c'est un budget indicatif. Autrement dit, le Parlement, le bureau du Parlement, doit exécuter les règlements. Et si une ligne budgétaire telle qu'elle est présentée ici est dépassée, il n'y a pas de problème, en fait. Est-ce que c'est bien ça que je comprends dans le mode de fonctionnement actuel du budget du Parlement wallon, à savoir que ce sont des lignes indicatives et non limitatives, ce qui signifie que diminuer ou augmenter telle ou telle ligne n'a pas finalement de conséquences, puisque si à un moment donné il y a une dépense qui est obligatoire, ben la dépense elle est exécutée, même si la ligne est dépassée. Oui, Monsieur Marcourt. Madame la Présidente, je veux nuancer le propos de M. Dekken. Comme nous le faisons, nous prévoyons les montants nécessaires sur base de la réglementation existante. Lorsque vous dites que c'est indicatif, dans les budgets que vous allez voter dans 15 jours en séance plénière, enfin, vous voterez peut-être contre, mais nous verrons bien. Dans les programmes d'un ministre, d'un département ministériel, il fait ce qu'il veut à l'intérieur de son programme. C'est la même chose. Et nous avons des arrêtés de réallocation. Oui, mais nous en prenons acte. Vous ne votez pas sur ces arrêtés de réallocation. On ne vote que sur des... Et donc, nous allons prendre un règlement sur le fonctionnement de cette commission et, le cas échéant, sur le budget. Donc, dire que
on peut mettre n'importe quel montant et qu'on payera toujours, ce n'est pas tout à fait exact. Mais il est vrai que dans le cadre de la législation actuelle, au moment où nous allons constater qu'il y a une dépense inéluctable à faire, inéluctable parce que contrainte par un règlement, nous devrons trouver d'autres poches financières pour combler ce qui nous manquera. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à vos propos. Monsieur Dequesne. Donc, le budget de la région Wallonne, les départements ministériels, les directions générales que nous votons, il y a le principe de spécialité budgétaire. Donc, a priori, l'argent, le montant ne peut pas être engagé au-delà des montants qui sont inscrits par article de base, sauf ce que permet comme dérogation le décret Webefin ou les cavaliers budgétaires. Et même dans ce que permettent les cavaliers budgétaires, il faut encore qu'il y ait une délibération, qui est effectivement une réallocation budgétaire, laquelle est soumise à un contrôle à minima de l'inspection des finances et du ministre du budget. Ce n'est pas le cas ici. Par exemple, il y a une barrière qui normalement est infranchissable dans les budgets wallons entre les fonctionnements et les investissements. Reconnaissons qu'entre 15 milliards de budget et 80 millions, on ne joue pas exactement dans la même division. Je suis d'accord. Moi, je m'interrogeais au départ sur l'amendement du collègue du PTB qui change une ligne, mais dont je m'interroge sur l'effectivité de cet amendement, dans la mesure où le bureau, me semble-t-il, doit appliquer le règlement. Et donc la modification, et sur le fond, partage l'idée qu'il faut qu'il y ait un effort de la part des parlementaires sur leur rémunération pour partager l'effort de réduction du budget du Parlement de 4 millions d'euros par rapport à une croissance normale vu l'inflation, mais que c'est pas tout à fait avec ces amendements-là qu'on va obtenir l'efficacité. Moi, c'est une question d'efficacité. Et en l'occurrence, ça ne me paraît pas efficace. Ce qui paraît efficace, ce serait de modifier, effectivement, ou de plafonner certaines règles qui sont contenues dans les règlements de rémunération. Monsieur Mugemangango. Pour moi, c'est clair qu'il y a deux aspects à ce débat. Le premier aspect, il est politique. Le premier aspect, c'est de se dire quel signal on veut donner. Donc au moment où effectivement beaucoup de gens rencontrent des difficultés, au moment où il y a une ambition, on a cité le budget base zéro, on a cité la gestion budgétaire de la région Wallonne, une ambition évidemment de regarder dans les dépenses ce qu'on doit faire comme effort. Donc la question est de savoir si ici, au niveau du Parlement, dans le cadre des travaux budgétaires, les groupes politiques en présence veulent donner un signal par rapport à leur propre rémunération et par rapport à la dotation des partis politiques. Ça, c'est un élément du débat. Et effectivement, alors c'est un signal. Après, il y a un débat technique. Apparemment, on n'est pas arrivé au bout. Il y a un débat technique où je comprends bien qu'il y a deux voies. La première voie qui est ici, on doit voir son efficacité. Je suis bien d'accord de dire effectivement si on vote sur pas une mais deux lignes budgétaires, et effectivement quel effet ça va avoir. Mais d'autre part, mon groupe, évidemment, fera le travail nécessaire que pour pouvoir opérer justement l'analyse des réglementations, pour introduire des propositions, pour arriver aussi évidemment à l'effet de réduction des rémunérations parlementaires et des dotations de nos partis politiques qu'on veut obtenir. Monsieur Belot. Je ne suis pas juriste, mais j'ai un peu d'expérience tout de même. Je me demande si les amendements sont recevables. Dans notre commission, ce n'est pas l'autorité qui décide de ça. C'est exactement comme si on allait dire, je ne sais pas moi, à la commission de l'environnement, on doit faire une modification dans l'article budgétaire relatif à l'entretien des routes. C'est un peu ça. Le président l'a expliqué. C'est pas. Il faut une modification du règlement. Et les règlements du Parlement, ce n'est pas à nous qui sommes compétents, enfin, sauf si je me trompe. Mais dans le règlement de notre commission, c'est l'analyse du budget, et ensuite des comptes. Est-ce que c'est recevable? J'entends maintenant, c'est public, donc c'est gay. Quand je vais lire le compte rendu de la commission des affaires générales qui se tenait à huis clos, toutes les questions qu'on pose ici, on ne les posait pas. Hein. Je souligne tout de même. On aurait pu les poser depuis 10 ans, les questions en affaires générales, hein, sur un certain nombre de choses. On ne les posait pas, mais c'était à huis clos. Il y avait un exposé, finalement, en séance plénière, il n'y avait pas de questions.
je ferme la parenthèse, mais sur les deux amendements qui sont là, le président l'a indiqué, c'est pas nous, nous n'avons pas l'autorité. On n'a pas la compétence de pouvoir faire ça. Moi, je me pose la question de la recevabilité. C'est à un autre endroit qu'il faut déposer ces amendements. Parce que pourquoi ne pas la déposer alors à la commission du budget ça n'a pas été déposé à la commission du budget. Et c'est déposé ici. Ben voilà, ben je ne sais pas. Je me trompe peut-être, je ne suis pas juriste. Mais voilà, c'est une réflexion que je me permets de faire. Oui, en effet, et c'est vrai que nous nous trouvons quand même dans une position qui est compliquée, en ce sens que d'abord, nous démarrons quelque chose de nouveau pour le Parlement de Wallonie, très clairement, avec cette commission de la comptabilité. Mais nous mettons en place des balises pour le futur qui sont vraiment très, très importantes. Il s'agit d'amendements qui portent sur le budget de fonctionnement et donc, dès lors, sont recevables comme tels. Mais à partir du moment où cela implique une modification dans d'autres règlements ou au niveau d'autres assemblées, ben forcément, ça peut poser difficulté. Donc, j'avoue qu'on n'est pas dans une situation très simple. Oui, Monsieur Mugemangango. Mais d'abord, à un moment donné aussi, pour établir les faits, Monsieur Belot, je ne sais pas si vous avez fait, vous, l'exercice d'aller relire tous les rapports de la commission Affaires Générales. Donc moi, j'ai fait cet exercice-là, comme d'autres l'ont fait. Il y a des rapports qui sont disponibles, il y a des rapports qui sont tout à fait disponibles, même si on ne sait pas qui a dit quoi. On connaît la teneur des propos. Okay, dire qu'il n'y a aucune question qui a été posée, notamment sur les chantiers, ce serait faux. Donc, et pas seulement d'ailleurs par mon groupe, par d'autres groupes aussi. Donc des questions ont été posées. Dire qu'il n'y a aucune question qui a été posée, qui relève même des montants, la manière dont les montants sont libellés dans cette commission Affaires Générales, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller faire l'effort d'aller lire ces rapports. Donc quand vous dites qu'aucune question a été posée, donc c'est clairement ce qu'il a dit, aucune question a été... Ah, maintenant, c'est pas beaucoup. Donc, aucune question a été posée, c'est pas juste. Et alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le dis alors aussi en micro, c'est qu'il y a cette fameuse réunion des vérificateurs aux comptes, okay, qui, elle, ne fait l'objet d'aucun rapport, aucun rapport auquel, en tout cas, les journalistes ont eu accès. Donc, dans ces rapports, M. Tayato semble dire qu'il y a un PV. Qu'on transmet au Parlement. Eh bien, donc, il y a un PV. Il n'y a pas de compte-rendu de ce qui est dit. Donc, il n'y a pas un compte-rendu précis, parce que, justement, tout le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les montants et la manière dont les montants sont libellés, plusieurs groupes ont fait des remarques déjà à ce moment-là sur la manière dont ces montants sont libellés. Et encore une fois, pas que mon groupe. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que... Donc moi, évidemment, Monsieur Belot dit qu'il a de l'expérience, évidemment, comme juriste. Moi, je ne suis pas juriste. Je fais confiance, évidemment, aux services. Si les services me disent que techniquement... Si les services me disent effectivement qu'on n'a pas la possibilité d'introduire ces amendements, on trouvera une autre voie, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que la question, c'est de savoir effectivement si ces propositions peuvent être soutenues par l'ensemble des groupes politiques ou pas. Alors, pour ce qui concerne les procès-verbaux de la réunion annuelle des vérificateurs aux comptes, ils sont disponibles et consultables au greffe. Pour ce qui concerne les différents amendements, ça relève évidemment de votre responsabilité en tant que chef de groupe politique, à savoir, vous les déposez aujourd'hui ou vous analysez peut-être les choses un peu plus et vous les proposez par ailleurs. Donc moi, je dois, en tant que président de la commission, savoir ce que je dois en faire. Est-ce que je fais passer au vote maintenant tout de suite ou est-ce que vous devez encore analyser les choses chez vous ? Oui, Monsieur Mukemangango. Mais donc, le collègue précédent se posait la question si c'était recevable ou pas. Donc, la question, évidemment, pour moi, c'est que si, effectivement, il n'y a pas d'empêchement technique de déposer ces amendements ici et de les faire voter, je veux qu'on les vote. Monsieur Zanetatos. Oui, mais moi, j'ai quand même une difficulté, parce que l'amendement n'amène aucune modification de type budgétaire. Donc on est en train de voter le budget depuis, discuter budget du Parlement wallon depuis lundi. Je pense que tout le monde pourrait au moins s'en inspirer. Si un amendement qui est déposé, ben on doit évaluer la mesure d'économie. Enfin, voilà, là on vous demande de valider un principe dont on n'a pas à discuter en cette commission comptabilité et dans le cadre du budget. Donc c'est compliqué pour moi de même considérer que ces amendements soient recevables. Monsieur le Président de notre Assemblée. J'ai une difficulté
avec les amendements, non pas sur leur contenu, mais que fait-on des montants qui sont ainsi économisés ? Les mettons dans une réserve ailleurs ou réduit-on le budget global ? Mais alors il faut modifier le budget global du Parlement, ce qui n'est pas le cas. Or, ce que je constate, c'est qu'on va faire une modification dans deux articles. On ne dit pas ce qu'on fait des montants ainsi économisés, éventuellement pour engager du personnel supplémentaire, que sais-je. Donc j'ai une difficulté par rapport à la rédaction de l'amendement. Mais je vous laisse la responsabilité, ce n'est pas la mienne. Tu les retires ou pas, Germain ? Est-ce qu'on peut voter alors sur la recevabilité et puis après on statue sur le... En l'état et après discussion avec les services du greffe, je peux que constater le problème de recevabilité en termes de modification d'autres règlements. Et donc, je préférerais franchement qu'on puisse laisser ces amendements sans devoir passer au vote parce qu'ils ne pourront pas être acceptés tels quels, en fait, ni par l'ensemble des membres de cette Assemblée, ni même par les autres parlementaires de notre Parlement. Donc, voilà, je voudrais savoir ce que vous... Oui, Monsieur Mugé-Mangango. Mais donc moi, je vais prendre contact effectivement avec les services pour voir effectivement comment on peut nous introduire ces deux amendements. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Je pense que sur le principe, il faudra que, de toute manière, dans le cas des travaux budgétaires, se positionner. Je pense que c'est important. J'entends les avis des uns et des autres et je les entends. Mais en fait, l'avis, moi, qui m'intéresse, c'est évidemment l'avis des services par rapport à ça. Et donc, je prendrai contact avec les services pour voir comment effectivement on peut introduire ces deux modifications. Très bien, merci. Je vous propose alors de passer au vote concernant notre projet de budget de fonctionnement. Nous votons à main levée. Qui est pour le budget de fonctionnement du Parlement de Wallonie ? Oui, pour. Qui est contre ? Un contre. Qui s'abstient ? Une abstention. Très bien. L'ensemble du budget de fonctionnement. Présidente. Oui. Vous voulez justifier l'abstention du groupe Les Engagés, oui, par rapport au projet de budget. Seule la personne qui s'est abstenue peut prendre la parole, Monsieur Dekken. Donc, si Monsieur Bastin s'est abstenu, c'est lui. Monsieur Dekken est le porte-voix de Monsieur Bastin. Pas les réserves. Merci, merci. On ne sait pas ce qui est décidé en termes d'engagement. On ne sait pas quels sont les engagés. Madame la Présidente. Je reprends la parole à la demande de mes chers collègues. Donc, les motifs principaux de nos abstentions, c'est parce que nous manquons d'informations sur les réserves. Il nous manquons également d'informations sur les différents engagements et sur l'impact que ça pourrait avoir à l'avenir. Mais on verra suivant l'évolution, puisque trimestriellement, au minimum, nous nous retrouverons pour analyser l'évolution dans le courant 2023, ben, nous verrons ça tous ensemble. Alors, je vous demande la confiance à M. Zanetatos comme rapporteur ainsi qu'à moi-même pour le rapport de cette commission. Et je vous demande évidemment de ne pas oublier de signer les documents de vote. Merci. À très bientôt.